L'amour, on est dans une église, enfin mon rêve! Enfin! Bon, ça... Okay. Ta main est vide. Ouais. Mais il y a une partie... Fuck le mariage, mais si je te demande, je demande ta main, ta famille va mourir. Fait que je sais pas... Tu penses comment qu'ils vont genre juste imploser. Ils juste imploser. Le coup final que tu leur... Donne. Comment tu te sens dans une église, mon amour? Je me sens vraiment bien. Moi, j'ai fait toute ma première communion, confirmation et ces affaires-là. Là. Fait que moi, je suis dans ma maison. Et disons-le, tu détestes les Premières Nations. Fait que ici, tu te sens bien. Je les aime dans ma cour. Moi, l'église, ils ont essayé d'agresser sexuellement mon père. Fait que je les aime pas beaucoup. Ah, mon Dieu, bon, ben. Ben, pas mon Dieu, c'est ça? Mon père était allé au collège. Good job! Good job! Mais mon père était très sexy adolescent. C'est que mon père est allé au collège Notre-Dame. Oui. Il y avait plein de prêtres pédophiles. Wow! Puis c'était tough. J'imagine. Parce qu'en même temps, tu devais avoir des bonnes notes et pas être agressé sexuellement. C'est difficile. C'est difficile de te concentrer sur tes études. Ça explique pourquoi les boomers, des fois, sont fatigués. Ils sont comme ouf. C'est pour ça qu'ils écoutent le chanteur masqué. C'est comme on n'a plus d'énergie. On n'a plus d'énergie mentale. Veux-tu savoir, veux-tu connaître mon hypothèse sur Dieu? Oui. C'est gentil parce qu'elle veut pas la connaître, pour vrai. Elle s'en fout. Dieu, il y a des athées, il y a des agnostiques. Oui. Je l'ai mal dit. Agnostique. Ça paraît que je suis pas à l'école longtemps. Mm. Moi, je crois en Dieu. OK. Je pense juste un imbécile incompétent. Ah! Oh, nice. C'est juste que Dieu, il a créé la terre. Oui. Puis il fait juste des erreurs. Il fait oups, les enfants malades. Oups, oups. Oups, des grandes catastrophes naturelles. Ouais, c'est ça. Oups, il y a des gens qui croient pas au vaccin. Bon, hey, c'est on a fait honneur, je pense, à la maison qui nous accueille aujourd'hui. Mais en fait, on est au centre d'art, la petite église de Saint-Eustache. Merci, merci. De nous accueillir. Une super belle salle. Vous pouvez les applaudir. Merci à l'équipe qui nous accueille. Merci à vous, gang. En passant, on le voit pas, mais tout est un petit peu mauve. Je me sens comme au Laser Quest, non? On voit juste un petit peu le monde en avant, puis il glow mauve. Compte la fois que t'as le Laser Quest, puis que t'as émasculé des hommes. Oui, alors mon truc, en fait, c'était le Cusar, je pense, à la récréatech. Je sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de ça. Personne ne se souvient de ça. Parce qu'on est tous passés à autre chose, mon amour. Parce qu'on aime ça, le bonheur. C'était un haut lieu culturel de Lavalois, la récréatech. Merci! Merci! Oui. Yeah! Et puis donc, au Cusar, on était allés là en sortie scolaire. On passait la journée là. Puis mon truc pour avoir le plus de points possible, c'est que c'était genre des plastrons avec une espèce de boîte là, dans laquelle il fallait que tu tires. Puis j'accotais le monde dans le mur. Je prenais son plastron, puis là, je faisais tout comme ça, puis la personne, elle pouvait pas se sauver. Mais t'es ignoble! Ben, moins que les profs à ton père. Fait que, quand je suis sortie... Ça, c'est « wow » à la pédophilie. Wow! Je sais pas, madame, je sais pas, ça fait de la peine. Puis, fait que là, quand on est sorti, tous les gars, ils checkaient le tableau de pointage, puis ils étaient comme, ah, ça c'est moi, je suis là, ça c'est moi, je suis là, puis ils prenaient ça vraiment au sérieux, puis ils étaient comme, voyons, c'est qui en haut le premier si c'est pas comme nous quatre hommes alpha de la classe? Puis là, moi, je suis sortie, j'étais comme, hey, c'est moi! Fait que le truc, c'est tricher. Voilà. J'aime faire mal à quelqu'un. Je comprends comment je tombe en amour avec toi parce que je suis un grand fan des Patriots et de Tom Brady. Ah! Oh. Alors, j'aime les tricheurs. C'est... J'aime les tricheurs vraiment sexy puis bruns.
Est-ce qu'on parle de notre football Pick'em dans lequel tu es actuellement dernier? Je suis tellement contente. Alors, un football Pick'em, c'est qu'à chaque semaine, on est d'une gang de gens, j'allais dire une gang de gars plus moins, qui choisit des équipes gagnantes de la NFL. Puis, moi, je l'ai choisi au hasard. Puis, je suis comme. Tu connais pas le nom des équipes! C'est pas ça qui compte! Je check, mais là, tu m'as appris à... Maintenant, je check la liste des blessés. Quand même, non, c'est une bonne stratégie, tu sais. C'est pas pire. Il y a plus de blessés, puis tout. Oui. Parce que la première semaine, j'ai juste choisi au hasard et j'ai fini première. Puis t'es en avant de moi, je suis dernier. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'accorde, moi, genre, 40 heures semaine à ça. Genre, j'écris pas de nouveau matériel. Je me calise à ma carrière. Ma fille, elle apprend des mots, je m'en rends pas compte. Puis je finis dernier. Puis elle... Mon trip, c'est, mettons, à gang, puis je nomme une équipe. Genre, les Bengals sont de quelle ville? Puis elle sait pas. Sans intérêt. Sans intérêt. L'important, c'est de savoir s'ils ont un beau logo. C'est un beau logo, maintenant, je sais, c'est un bébé tigré. Fait que toi, tu choisis qui a le meilleur logo, puis tu me plantes. J'haïs mon existence. Je fais... J'haïs tout ce que... J'haïs notre famille, j'haïs notre couple. Je prends un petit cristal, puis le cristal, il choisit pour moi. Il fait... Oh. Comme là, je comprends Guy Turcotte. Je suis sûr que Guy Turcotte, il a fait des cajures avec son épouse, puis ça a mal tourné. C'était ça, au fond. C'était ça, au fond. Ouais. Bon. C'était pas l'homosexualité refoulée. Non. C'était ça. Bon. Aujourd'hui, on accueille, je pense, deux grandes fans de football. Ouais. Ouais, j'ai vraiment. Deux homosexuels refoulés. Alors, accueillons sans plus tarder, s'il vous plaît, accueillez chaleureusement Mona de Grenoble et Rainbow. Yeah! Salut les boys! Salut! Vous êtes magnifiques! Hey, j'ai jamais autant été pogné dans quelque chose de ma crise de vie. Ben, parce que là, on s'est dit, ma chum, on est à Saint-Eustache, hein? Fait qu'on va se mettre en biker chick. Mais j'ai rien de biker chick, fait que c'est le suit à Rainbow. Elle a la shape d'un bébé prématuré, tabarnak. Moi, c'est ça. J'ai la shape de 32 jambons fumés mis ensemble. Je souffre le martyr, mais merci de nous accueillir. Ben, on voit que Mona n'a pas respecté le mot « chicks », mesdames et messieurs. Il y a juste moi qui ai catché le terme. Et pour vrai, je suis content qu'il y ait une table ici. Parce que vous ne voyez pas les grandes lèvres à Mona présentement. Ah ouais. C'est un film d'horreur. C'est du jambon tranché épais, mes grandes lèvres. Je te dirais, à l'étoxé, c'est un jambon en canne. Là, je vais crever. Ouais. Ben, je suis une biker chick, mais accidentée de la route. C'est ça qui s'est passé. C'est des machines à tuer, les motos, esti. Ça va, vous autres? Ben oui, ça va très bien. Oh, t'as la bague en plus, c'est génial. Yes. Yes. Bon, ouais, dollar à moi, tout le monde. Ouais, ben... Je coûte pas trop cher la livre, qu'est-ce que tu veux, ta maman? Ben, bien de même, mais on dirait que t'es commencé par Heart. Ouais, pis on dirait que je viens de me faire beauté à la colonne vertébrale. Je suis tellement pogné, là. Je reviens de ma chirurgie. On dirait que t'as un bâton qui part de ta couette. C'est ça. Elle s'est crissée un bas de plug en dessous de sa perruque. Si t'as pas compris que ça va dans le cul, cette histoire-là. Non, non, mais il est dans le cul. C'est que moi, je m'achète des bas de plug de 5 pieds d'eau. Fait que... Urgence de vivre! Hey, ça part en feu! Ben oui, c'est extraordinaire! Ça part. J'adore que le monsieur en avant, là, il regrette en esti d'avoir payé 15$. Hein? C'est... Tu vas voir qu'elle change en esti, Claudine Mercier. Tu vas voir, macha. Le cristal meth l'a détruit, c'est ça que je te dis. J'adore. Là, j'ai le shake, là, mais c'est pas de la panique. C'est que je me suis pas torché à moitié hier, les chums. C'est un miracle de la médecine moderne que je sois ici dans ce moment. T'étais où? T'étais où? J'étais chez ma fille de drague, en fait. OK. C'est quoi une fille de drague? Ouais, que tu peux expliquer? Les drag queens, on fonctionne en... C'est comme un camp de show, c'est super épeurant. Je te coupe. Y en a-tu qui savent pas c'est quoi une drag queen dans la salle juste avant qu'on commence là-dessus? Bon, bravo! Bon, ah! Ils ont tout écouté Big Brother. Ouais. Yes! Mais ouais, une fille de drag, dans le fond, c'est tu vas mentorer quelqu'un. C'est un mot, ça, mentorer? Bien sûr. Ah ouais. OK, mon Dieu. Bonjour, c'est mon amour, c'est un mot? Tu vas mentorer quelqu'un, fait que tu l'adoptes. Tu dis, OK, on a le même genre, ou on est des chums, on fait des shows ensemble, c'est le fun. Fait que tu l'adoptes et ça devient ta fille. OK. Et ma fille de drag comme Yann Thériault avec Gérard Alain, j'adore ça. Gérard Alain, la fille de Yann Thériault. Malade. Yann Thériault en drag, ça serait pas piqué des verres. Oh! Ah, ouais,
Oui. Ouais, ça serait malade. Ben nous, à vrai dire, un grand fantasme qu'on a sur notre podcast, c'est de recevoir Mike Ward, mais en drag queen. Ça serait malade. Ça se fait. Tout se fait si t'es cœur le monde sur Internet. Ben, oui, le bullying, ça marche. Oui. C'est super simple de se maquiller chaud d'œil, je le fais à tous les jours. Là. Puis le party hier, c'était pour son anniversaire, c'est non, ça? Non, pas du tout. On a juste un grave problème de consommation. Fait qu'on est arrivé là, on se dit... Mon amour, t'es tellement une mère que c'est juste un anniversaire qu'on veut se stouler. Ça va virer en intervention, cette affaire-là, je le savais. Mais c'est ça, fait que finalement, on a bu comme des hosties de données de truies, puis on a été closé le club date chic bar du village où on y dépose des morceaux de notre âme à chaque fois. Vous faites votre podcast entre deux lèvres, qui est extraordinaire. On tournait nos épisodes en studio entre deux lèvres. Allez suivre ça, tout le monde. Non, c'est extraordinaire. Oui, merci, fille. Et quand je suis allé, vous avez fait plein de montages, parce que j'ai plein de choses qu'il fallait pas dire sur la TV. Exactement. on a fait un petit peu... Non, on n'a pas tant fait de montage à tourner. Ah, mais c'est toi qui t'assumes pas. À chaque épisode, elle dit on va enlever ça, c'est trop. Je m'assume les tabarnak. Ben je suis toujours là pour être pire que toi. Fait que tu parais bien. Oui, mais ça dépend des. Tu sais, si on a un invité, mettons que son public, c'est des jeunes. Si après deux minutes de podcast, ta première question, c'est toi, t'aimes-tu ça, un long bat? C'est sûr que. Mais c'est-tu quoi? Les jeunes vont apprendre, Calis. Ouais, mais. Moi, je vous écoutais parler, j'ai appris à l'église. Mon premier amant, ça a été un prêtre. Oh! Oui. OK, on a mais par choix. Quand le monsieur m'a vu manipuler un cierge comme personne d'autre, il a de l'avenir, ce petit gars-là. OK, mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu l'as rencontré J'ai jumpé en dessous de la soutane, je vous niaise, câlisse. Oh! Super triste, je me mets à pleurer un petit peu. Ça te met parti. On parle le podcast. Ouais. Malade. Ah, c'est... Mais... Comment qu'on fait pour cruiser quand on est une drag queen? Est-ce qu'on cruise en drag? On cruise hors drag? On est célibataire endurci, ma chum. C'est là. Ça? Ça, il faut... Non, mais moi, j'ai un chum. Moi, je suis... j'ai réussi, je suis comme un gay straight. Je suis en couple, ça va bien, puis je suis monogame, puis pas de condylome, rien, tout va bien. Toi, t'as de la misère. Moi, à couple ouvert, moi, mes affaires d'amour, ça va pas bien. Mais je veux juste corriger quelque chose. Mona est en couple, c'est une des rares drag queens qui est en couple. Et c'est une des rares drag queens que ses chums veulent drag queen, d'ailleurs. Ça, quoi? Je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle les attire. Ouais. Ça m'impressionne. Deux en deux, Adam. T'attires des hommes en déguisant en femme. Non. Attends, t'es un peu. En femme, hostie, tu m'as-tu vu? J'ai l'air d'une boîte de crayons de cire qui a fondu, là, mais... Non. Quand je me fais un chum, forcément, il sait ce que je fais dans la vie. Uh-huh. Puis ils finissent par l'essayer eux autres avec. Ah! Oh, wow! Ouais, mais ils ont C'est comme nous! C'est tu vas faire nous. Du stand-up? Non. Non, elle va se taper le pénis. Yes! Non, là, je fais un football pick'em, là, puis c'est assez. Oui, puis tu fais des podcasts, puis... Non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis toi, tu m'apprends des fois... À vivre. Oui, à vivre. Tu m'apprends genre à me brosser les dents, puis pas tout... brosser les dents. Puis m'économiser. Wow. Non, je sais, mais c'est un enjeu. Non, mais donc, c'est ça. Fait que ton chum, il ouvre le garde-robe, il voit toutes tes affaires, puis il fait comme... Pourquoi? Je vais m'en acheter des plus beaux. C'est ça qu'il se dit. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Pourtant, tu sais, il me voit aller, fait que, tu sais, je glorifie pas le métier tant que ça, là. Ça, j'ai l'air de quelqu'un de brisé, mais ça leur tente, hostie, fait que... Mais en même temps, c'est tout à ton avantage, parce que... C'est de sortir avec une drag queen, on a une forte passion pour les costumes et les rhinestones et les bas-culottes. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui c'est moins son univers, ben dans mon cas à moi qui trippe vraiment, on fait le tour des sujets assez rapidement. Fait que c'est peut-être pour ça que t'as-tu pogné un gars qui a été comme rebuté par le fait que t'es un monsieur madame? Mm-hmm. Ben c'est déjà arrivé. Wow! OK. Moi, ma loge, elle est à la maison. Mais je le dis pas nécessairement quand je suis en date. Ou avant, je le disais pas. Fait que de la façon que mon appartement était configuré, soit le crisse de bordel, ça arrivait qu'il y avait une perruque en montage, un costume, puis il me regardait. C'est déjà arrivé, il y a un gars, il m'a dit « Ah, oh, t'es drag queen? » J'étais comme « Oui. » Et il a juste sacré son camp. Ah! Oh. Il a pas eu de suite. Ah, c'est le meilleur gars! Je me suis revengé, par exemple, parce qu'il y a un soir, je l'ai reconnu. Okay. Il était au cabaret Mado et je te l'ai envoyé chier, mesdames et messieurs. J'étais en drag, il ne m'a pas reconnu. Puis pourtant, on s'entend que j'ai un ton de voix crissement strident, là. C'est facile à reconnaître.
Mais écoute, je l'ai envoyé chez, il se sentait vraiment comme de la merde. J'ai exactement expliqué à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé, puis je l'ai pointé. Il peut aimer l'art. Ouais, ouais, non, j'ai. Oui, sorry. Mais il peut aimer aller voir des shows. Tu t'es déjà baisé dans ta loge? Ah. Ben, sa loge, c'est sa maison. Ben. Faudrait qu'il y ait déjà un plancher de libre, là, pour se coucher dessus. Ah, OK, ouais. Je pensais que c'était une pièce. Mais c'est excitant, non? Non, non, ben, c'est pas un donjon, là, chez nous, là. C'est pas. Il y a pas un sling comme chaise à maquillage, là, mais. À coller plein de rhinestones sur son sling. Y en a-tu qui savent nervuré, là, stoné. Y en a-tu qui savent pas c'est quoi un sling? Je sais pas c'est quoi. On vous jugera pas. Je sais pas c'est quoi, moi. Explique pour les autres. Un sling, c'est, tu sais, les balançoires pour enfants que t'es deux par deux en arrière de l'autre, là, pis c'est en plastique. Ouais. Ben, dis-toi que c'est le même principe, sauf que tu te fais rentrer un bas dans le cul à chaque fois. Oui, c'est ça qui donne la swing. Le feu va pogner dans cette église. Eh oui! Je m'excuse. Mais les prêtres ont fait pire. Oui, c'est ça. Ben, Chris! Bravo! Oui, oui. Bonne lap, hey! Père François, j'en dis là tantôt. Je répète, mais je trouve ça. Je m'en fous, là. M'amener, je riais des prêtres pédophiles sur Facebook. Et la sœur à Gilbert Rozon, elle l'a pas pris. Oui, elle le reprenait. Oui, dans les commentaires, elle était. Ouais. Comme... Es-tu croyant? Je pense qu'elle défend juste le viol en général. Ouais, c'est ça. Oh, c'est ça, son... Belle famille. C'est son teigne. Ouais, pas de sa faute, il a les doigts longs, Chris. Bon, t'es gagné. Quelle défense! Ben, il a les doigts longs. Ah, c'est correct. Adjugé, non coupable. Il a les doigts longs, monsieur. Il a les doigts longs. Apportait des grands salopettes Levi's. L'eau, ça l'a demandé. Ben non. Non, 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 non. Oh, je suis pas à l'aise. Non, hein? Fait qu'il y a un gars qui a crissé son camp parce qu'il a découvert que t'étais drague. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Les autres gars, penses-tu que c'est parce que t'es drague qui partent ou ta personnalité? Moi, là, j'ai un 10$ à la personnalité. Vraiment. Non, mais c'est difficile de rencontrer. Puis on dirait il m'arrive toujours des histoires pas possibles. Puis je suis comme, Bon, t'écoutes? Ben... On est là pour ça. Mon Dieu, qu'est-ce que... Gang, on l'applaudit. Oui. On lui montre de l'amour, As-tu une histoire scandaleuse? Ta pire. Ouais. Ma pire. La pire. Et laquelle? La pire, là, c'est dégueulasse. Il y avait de la merde partout ces murs, là. J'exagère. Mais elle fait bien du reflux. T'as de la misère avec ta digestion. Oui, ben non. Pour vrai, l'amour et le reflux gastrique, c'est mes deux struggles dans la vie, là. C'est capoté. Pour vrai, ça n'a même pas de bon sens. Mais non, mais à vrai dire, j'ai vraiment de... Je trouve toujours le petit quelque chose qui me tape ses nerfs, puis j'ai vraiment de la misère à matcher puis à trouver quelqu'un qui va... Tu sais, on s'entend, on a des horaires fucked up aussi, là. Tu sais, nous, les vendredis, samedi, dimanche, ben le dimanche, c'est parce que c'est notre journée qu'on se remet notre fin de semaine, mais, tu sais, on travaille, c'est là qu'on a des spectacles, puis tout ça, puis trouver quelqu'un qui a une job 9 à 5 du lundi au vendredi, c'est dole un peu pour cette personne-là. C'est épeurant pour la personne aussi qui se lève le matin, elle est travaillée à 9, puis elle se réveille à côté d'un raton laveur, qui a du eyeliner brillant, répandu de même, là, qui sent la robine, là. Est-ce que, en drague, est-ce que vous couchez souvent ensemble? Non. Non. Pourquoi? Parce que les humoristes, on essaye. Des noms. Je veux tous les noms. Mais il y a plein de couples. Je disais, nous, on devenait un couple. Mais avant elle, quelle grande comique as-tu piné, Thomas? Aucune. Bon. Mais... Non, mais moi, je me suis saucé, là, dans la Traveloune aussi, mais... OK, mais ça nous intéresse? Non. Ben, on est en gars, là. Moi, il n'y a rien de moins sexy que genre de devoir creuser dans des bonilons dégueulasses pour te rendre au snack. Fait qu'on est en gars, là, tu sais, quand on... Ben oui, je m'imagine. En gars, quand mais on pas consomme. De sourcils, par exemple. Avec des faux ongles, là. Ouais. Ah, une drag queen en gars, c'est facile, tu vas reconnaître. Ah là, elle leucémique, OK? Pas de cheveux, pas de sourcils. Là, je m'excuse à toutes les leucémiques là, de Saint-Eustache, mais c'est... Ah, mais devenez drag queen! Oui, devenez drag queen! Mais leucémique, devenez drag queen, va venir! Êtes-vous tout le temps rendu chez l'esthéticienne en train de vous faire de l'électrolyse? Hey, de le pire, c'est que je pense que les dragues, on est les gens qui vont le moins chez l'esthéticienne. Je pense qu'il y a des gays beaucoup plus fifs que nous qui ont vraiment des rendez-vous. Croyez-le ou non. Bon, regarde, ceux qui ont ri, esthétiques, se sont fait épiler le cul à matin. Montrez-nous ça, là! Ben, ma soeur était là un matin. Elle est là dans la salle, elle revient de là se faire... ta soeur est là! C'est ma plus grande fan, la soeur. Elle s'est fait laser et le battre. Mais non, on va pas... on va pas chez l'esthéticienne. Ça coûte trop cher. C'est combien qu'on fait par année? Tu fais tout au nerf?
Ouais, oui. Ben, je me fais l'arrêt à pioche, moi. Let's go! Ouais. Let's go! C'est pas chic, ma salle de bain. Comment très tu fais petite. Ça? Toujours à ça d'une commotion, esti. Mais comment je fais ça? Oui. Ben là, je veux pas me lever parce que la robe est tellement courte que là, j'ai le G à l'air, mais... Ben non, t'es capable. Allons-y. Mais non, mais la démonstration, tout le monde. Ben oui. Comment on fait? On apprend. Les jeunes qui nous écoutent sur YouTube, prenez des notes. OK, j'amène un miroir plein pied dans la salle de bain. OK. Là, je le mets dans le bain. C'est comme un petit couloir, là, ça, de long, ma salle de bain. J'aime ça. Je le mets dans le bain. Et là, je me penche. Mais là, avec ma perruque, je peux pas, mais tu fais ça de même. Mais tu te regardes en même temps. Ben oui. Genre ça, là. Hey, mais ça marche, faites-le. Ça marche. Ben oui, j'ai jamais ça. Ben oui. Yes, sir. Oh. Hey, je vais juste... Hey, on fait d'éducation sexuelle. Ouais. Dans les écoles, ils font pas ça. Dans les écoles, non. Ils donnent plus le cours. Ils apprennent nous, pas à se raser le cul, puis ils apprennent pas à faire nos taxes. Ça, voilà. Ça me rage. C'est terrible. C'est terrible. Hey, tout le monde, il y a des petits sacs blancs en dessous. Si jamais vous avez à vos mains, là, c'est fait pour ça, OK? Ben, ils sont excités. Il y a plein d'hommes en érection, là. Ouais. Ben, lui, il est pas vrai que le chandail blanc en avant, il a l'air de rien comprendre depuis le début, le pauvre lui. Ouais, attends un peu, il y a une petite bosse dure dans ses jeans. Non, c'est juste le pli des jeans, ma chance. C'est juste, ça se passe-tu bien jusqu'à maintenant? Numéro 1. Elle fait du crowd work, c'est le fun, hein? J'adore. Non, mais tu sais, je veux essayer de me matcher, là, après. Hein? Ben, ça serait pas pire, parce que j'aime la dualité, tu sais, vu que t'es tout petite, toute chétive, là, pis oui. T'as un genre du Hugo Girard après à côté, ben. Ça, c'est malade. Ça, tu te dis comment se fait qu'elle marche, la matinée. Voulez-vous la meilleure anecdote du Hugo Girard? Oui. Oh, mon Dieu. OK. Oh, non. OK, on va regarder. Ça, c'est... Et okay. Quand sa blonde dit c'est pas une bonne idée, non, non. Ça... Oui. Ça se peut que ce soit... Hey, ça, c'est peut-être... Steph va le couper au montage, mais on regarde nous autres. OK, à ce point-là? Ben, parce ben, je que... sais pas. Oui, c'est ça. Sais-tu ben, quoi? Hey. On y va. Voici, ça, c'est l'anecdote que je raconte à tout le monde. Quand je rencontre quelqu'un de nouveau, je raconte cette anecdote-là. Puis c'est pour ça que personne ne revient souper deux fois. Malade. Hugo Girard, c'est un culturiste. C'est un homme fort. C'est un homme... Mais pour être fort, là-même, il faut manger tout le temps. Oui. Il mange des protéines. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Il chie tout le temps. Ah! C'est ça le truc pour chier, esti. Voilà! Ben, une semaine, je suis constipé les chums, là. Mais ce qui est génial du Hugo Girard, c'est qu'à chaque fois qu'il rentre quelque part, il y a un drôle de regard, puis il fait « sur les toilettes ». Ah! Puis il disparaît pendant une demi-heure. Fait qu'il chie non-stop, le ouais. Gars, là. Puis souvent, il fait des tournages dans les parce que lui, il fait des affaires de barbecue, des affaires... Il fait toujours dans des petites maisons, puis il s'empêche pendant tout le tournage. Ben, calé, je vais me coucher moins con à soir, je suis content. Bon, c'est ça, du Hugo Girard. Ben, c'est bon, normal. Ben, je regarderai jamais les pubs de BMR de la même façon. Mais on le sait. Quand tu parles de 2x4, maintenant, tu sais de quoi il parle. C'est ça. Mais 2x4, t'as envie de chier. Bon, c'est le truc, les chums. C'est la journée de tournage au BMR, c'est parfait. Les bouchons de bain sont là, ils pleurent, ils hostient, puis ils endurent. C'est une super idée d'avoir quelqu'un de riche puis de fort. Ah, comment ça? Moi, j'ai l'habitude, mettons, il sera fâché, c'est pas grave. Ah, tu veux dire, tu t'es attaqué à quelqu'un ben, de riche et fort. Je me suis attaqué. Ben, t'as dit qu'il chiait tout le temps. Ouais, mais là... Ouais, mais c'est ça qu'il fait! Il est insulté, câlisse, tout le monde chie, là. Ouais! À moi, c'est... À matin, des fréquences différentes, ouais. Chacun, ça fait ben oui. Ouais. Hugo Girard chie non-stop. Ben ouais. Non-stop. Ben, ça parle au tabarnak. Hey, on parle de, vraiment de ça, là, j'adore. Ouais. Par applaudissement, qui a des céleri ben, hier? Ah, bon! Hey, ça chie le monde à Saint-Eustache, yes! Pensais c'est... qu'il était constipé à manger du popcorn à cause du ciné-parc, Colin. Content! Moi, je me demandais ça. C'est quoi des parties de drag queen? C'est comment? Oh, mais il faudrait que je m'en souvienne d'abord. Là. Ben, moi, pour ma part, les meilleurs. Moi, je ne bois pas dans la vie. C'est très, très rare que je bois de l'alcool. Et mais les meilleurs parties. T'as recommencé, là? Hein? T'as recommencé? Ben, c'est rare, là. Tu sais, je prends un verre aux deux semaines, là, mais. Mes meilleures parties drag queen que j'ai jamais eues, il y en a deux. C'est soit au Miami Deli après un spectacle. Wow! C'est, ben oui, hey, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de voir des drag queens saouls avec deux œufs bacon puis une soupe aux légumes? C'est le rêve, avec mesdames et messieurs. Poissons en plastique. Mais ça, là, tu sais. Et sinon, moi, j'organise toujours un party à chaque année. Le 1er janvier au soir, ça s'appelle « Apportez votre mou ».
J'invite mes chums de drague, mes chums barmen qui ont tous travaillé la veille. Je fais souffler des matelas à grandeur de mon salon. Je commande pour 150 pièces de PFK. Wow. Et c'est ça, mon meilleur party de l'année. Wow! Nice. Tout le monde ben scrap sur le PFK. Oui, c'est le hein? Ben, je vous invite. Oui, oui, absolument. Ben oui, on se trouve une gig dans un bar, deux, trois semaines. Est-ce qu'il y a de la place pour un parc pour enfants? Ah, il y a la... Ah, mais vous avez un... C'est vrai, vous non, avez non, un... t'amènes pas ton flow-là. On la faillante. Non, amène-les. J'adore les enfants. C'est drôle, petit party de drague. Je vais m'être invité une colisse de fois. Ben ouais, mais... Il y a une époque, pendant 8 ans, t'as disparu de la map et t'es revenu cette année quand je t'ai approché pour le comme podcast. Comme une grande divorce. T'étais où? J'ai arrêté pendant 2 ans. C'est parce que... mon Dieu. Ça on va y être sérieux. C'est parce que je suis une drague plus comique et laide. Là, j'ai pas l'air d'être vraie femme. Mais c'est pas toutes les femmes qui sont jolies. J'aime hein. Ma tante. Ouais, tu ressembles à beaucoup plus de femmes que tu penses. Fait que moi, Jean-Denis Bombardier. Yeah, on va se dire, à Saint-Eustache, on croise plus de femmes comme toi. Oui. Que... Ah, let's go, les filles, on se part à un club de BCK Gaz. Tout est les vraies femmes, ce qu'on pense que les femmes sont. C'est ça, la différence. Ouais, ben, elle a fait Saint-Eustache, moi, je fais Blainville. C'est pas vrai. Mais j'ai arrêté de faire du show pendant 2 ans parce que je prenais pas ça au sérieux. J'investissais pas de l'argent là-dedans. Fait que j'avais l'air d'un cul. Là. Genre, mon Dieu, le travesti va pas bien. Là. Puis, le maquillage m'a encore lissé. C'était pire que c'est là, là. C'était triste, fait que j'ai arrêté pour me ressourcer, payer mes petites dettes, puis je suis revenu en force, là. Elle n'a pas fini de payer ses dettes, fait que c'est pour ça qu'elle a un costume de Rainbow ce soir sur le dos, mesdames et messieurs. Pour vrai, là, c'est pas du eyeshadow, le mauve que j'ai dans la face, il n'y a pas de circulation sanguine. C'est tellement serré, c'est comme j'avais fait 2 trous d'un condom, je l'avais mis comme une robe. J'ai mal! Mais tantôt, tu as soulevé le point, une drag queen, ça fait combien par année? Ah, très peu. Ben, si tu t'en sors, là, puis tu fais d'autres gigs connexes, là, tu peux gagner ta vie, mais mettons, un salaire régulier de drague, puis là, les bars de drague, je vous aime pareil, là, mais calvaire, sérieux. Pour une soirée, ben, un show qui dure 2 heures, 2 heures et demie, tu fais 4 tounes, c'est 75$. OK. Oh. Ouais, ben, c'est ça, c'est scandaleux, non? C'est... Chris, on se maquille pendant 2 heures, on prend un taxi, parce que moi, si je prends le métro de même, je me fais poignarder, là, puis... Fait que, tu sais, ton salaire, il est déjà passé avant que tu arrives dans la porte du club, là. Oui. Je t'entends. Ouais. Fait que des... Mais, il y a un autre côté de la médaille, par exemple. Oui. Faut pas oublier, c'est que, oui, il y a les salaires, ça, c'est vraiment très, très bas et ça n'a pas évolué. Par contre, ce qui aide beaucoup, c'est que, exemple, que nous, on fait entre deux lèvres devant public. Ouais. Ben c'est nous, les producteurs de la soirée. Ouais. Fait qu'on ramasse la porte au grand complet et l'avantage d'aller faire, mettons, des shows dans différents bars, les gens nous connaissent, commencent à nous suivre. Ben quand on fait un gros spectacle, ben là, à ce moment-là, les gens, c'est plus facile de les attirer dans nos salles. Et sachez que si jamais vous allez voir un spectacle de drag queen solo et que le cover, il est un petit peu plus cher, tu sais, on parle de 20-25$ à la porte, ben dites-vous que tout cet argent-là, ça va à la drag queen et ça aide à financer les costumes, le make-up, parce que pour vrai, ça va vite, hein? juste sur le dos, là, tu sais, bon, pour vrai, on a au moins pour 300-400$ de stock sur le dos présentement. Surprenant. Puis on a à peu près, tu sais, pour ma part, j'ai 100-150 kits chez nous. Ça a pas de. Tu sais, ils n'ont pas tout coûté ce prix-là, mais il y en a qui. T'exagères, 300-400. Je l'ai vu, l'étiquette du Siren sur ta robe, là. Ça n'a pas coûté plus que 8 mais et 29. Ça va vite, là. Ça monte extrêmement vite. C'est beaucoup de dépenses. Fait mais que... c'est ça. Bref, ça devient payant quand tu produis tes soirées. Fait que c'est pas comme en humour. Tu sais, la drague, pour gagner sa vie, va faire tous les rôles. Ouais. Elle va produire, elle va faire son poster sur Pinterest, elle va monter le show, faire ses costumes. Tu sais, on fait comme... Les drags sont des self-made men. Ouais. Exact. Mais, puis on fait des contrats web aussi, puis c'est ça qui est le fun. Puis, il y a moyen de faire de l'argent, mais c'est sûr que quelqu'un, si vous vous lancez en drag, puis vous faites que du bar, c'est sûr que là, faut se dire, c'est plus une passion, un hobby, qu'une job, un métier c'est là que c'est... Il y a des AB plus sains aussi, là, jouer au backgammon, puis que c'est nous patients. Ouais. Mais... ouais. C'est comme fait AB, là. Puis l'art de la drague, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est plein de choses. Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux gens? Est-ce que vous voulez l'explication trash ou la vraie explication? On veut une après l'autre. On a le temps. Une après l'autre. On va commencer par la tienne, ensuite la trash. L'art de la drague, c'est vraiment un art de scène. Puis je vous dirais, la meilleure réponse en 2021, il y a plusieurs types
de drague. Il n'y a plus maintenant, c'est plus un gars qui se met en femme. C'est vraiment, c'est beaucoup plus que ça. Il y a du bio queen, des filles qui font de la drague, le dragging. Il y a tout ce qui est plus queer aussi, androgyne. Mais c'est vraiment de personnifier. Moi, dans mon cas, c'est personnifier la femme, mais c'est vraiment un art de la scène. C'est du théâtre. On va se dire comme ça. C'est vraiment, moi, je le prends comme une pièce de théâtre. Une comédie ben, musicale, mais beaucoup plus fif, là, tu sais. Ouais. Ouais, ben, y en a qui théâtre, il n'y a rien de gay là-dedans. Hein? Il n'y a rien de gay dans le théâtre. Non, il n'est pas. Super non. Le comédien, il n'est pas gay, il est juste artistique. C'est ce que je disais quand j'étais dans la garde-robe, mais. mais c'est ça, on fait tout. Il y en a qui dansent, il y en a qui lip-sync, il y en a qui chantent live, il y en a qui font de l'humour, il y en a qui font. Du cirque, il y en a, ça se tortille dans tous les sens, c'est malade, ça. Oui. Ça, c'est malade. Ça se range d'une poche de même après, c'est super. Puis l'explication trash de ça, ça serait? Ben, c'est juste de mettre un corset pour pas saouler trop vite. Tout l'alcool reste. Ça, c'est ma définition de l'art de la drague. C'est pour ça que je suis drag queen, comme ça, un 36 onces de fireball, de même. Pow! Ça va, tout le monde? Puis, est-ce que quand on est drag queen, est-ce que, tu sais, faire un coming out homosexuel, c'est une chose. Est-ce qu'il faut que tu fasses un deuxième coming out quand tu te dis. Oui, oui. Hey, je pense que c'est plus rough de faire le coming out de drag queen. Ben, quand on a commencé, nous autres, il y a 10 ans, ben, bref, c'était beaucoup plus. C'était moins mainstream. Il n'y avait pas. L'essor RuPaul Drag Race n'avait pas encore commencé vraiment. Oui. Moi, pour ma part, ça a été vraiment. Ben, ça a été difficile, oui et non. Mes parents savaient que je dansais pour les dragues, mais quand ils ont su que là, c'est moi qui allais porter la perruque et les talons, ils voyaient l'investissement d'argent et tout ça. Puis à l'époque, j'avais pas autant de moyens que maintenant. Mm. Et je dépensais tout mon argent là-dedans. Là. Je me suis mis dans la merde là, au début. Pis je pense que c'est plus ça qui les a attristés un peu. Puis je pense qu'ils voyaient pas le potentiel à quel point ça pouvait vraiment aller gros. Puis maintenant. Ben, je fais des shows en région, puis je produis avec mes parents. Là. C'est vraiment une histoire de... Félicitations! C'est une histoire de famille. Ouais. C'est vraiment cute. Dans la région de... Dans la région de Joliette. Joliette! Ouais. Mais c'est d'expliquer aussi que, tu sais, ben, pas aujourd'hui, là, c'est rendu connu, là, le drag, tu sais. Pas par tout le monde. Mais, ouais, ben, pas tant encore, mais on est sur la bonne voie en esti, par exemple. Merci, Rita. Puis, c'est ça, c'est d'expliquer que c'est pas un trip sexuel, nécessairement non plus, parce que, au début, tu dis, je suis drag queen, mais là, c'est ça, je me déguise en femme pour faire des. Là, c'est comme, tu travailles-tu dans les bars de danseuse, toi, Calis? Puis là, c'est. Tu sais, c'est comme mêlant, fait que c'est d'expliquer, mais là, de plus en plus, on n'a pas à expliquer ça. Mais le coming out de drag. Tu suis de l'arrêt, là. T'étais comme. Comment ton coming out? Super. Mais pareil, t'es juste déçu d'avoir manqué les premières années. Ah! Oh, comme c'est là, c'est d'amour. Mes plus grands fans, là. Ils sont tout le temps là, ils sont hot, là. Wow! Ouais, ouais, ils sont vraiment ouverts, mes parents. Plus belles relations que leurs parents que moi. Ben oui, ouais. D'ailleurs. C'est surprenant. D'ailleurs, Mona, elle a une bonne histoire. Mona, tu t'es faite outer sur le fait que t'étais la queen. Ouais. Raconte-nous ça. C'est parce que j'ai été. Ça fait 10 ans que je suis drague, mais je l'ai caché à ma famille pendant. 6, 7. OK. Ouais, ouais, ma loge, là, tout mon stock était dans la valise de ma Camry 98. Je disais à mes parents, je m'en vais coacher de l'impro, je reviens à 6 heures le matin. J'ai fermé un œil à 35 pour voir double, puis c'est ça. Je revenais avec du eyeliner, puis tout, mais il était couché. Fait que là, pendant ces 6 ans-là où je le cachais, ma sœur est allée à Cuba et elle a rencontré quelqu'un. Tu sais, des Québécois à Cuba, c'est comme une grande famille. Je comprends pas ça, d'ailleurs. Asti que c'est lourd, là. Si je suis dans le sud, ne me parlez pas parce qu'on a le même accent. Ça, c'est comment qu'on appelle ça, ma chum? Des tabarnakos. Oh, ouais, des lost tabarnakos. Yes. Ouais. Fait que, elle a rencontré un tabarnakos avec les poignets cassés, puis ils ont jasé. Puis quand elle a dit son nom de famille, il dit « Hein? Tu dois connaître Alexandre Ossens. Oui, c'est mon frère. Hein? C'est une drague, c'est mon autre Grenoble. » Et là, il m'a hâté là. Wow. Puis la crise, elle me l'a pas dit jusqu'à il y a 2 ans à peu près. Oh. Wow! Ouais, ouais. Voilà. Mais t'es cute, tu sais. Mais là, ma pauvre sœur s'est torturée avec ça. Elle était comme, ah, mais là, pourquoi qu'il nous l'a pas dit? J'ai dû dire quelque chose d'offensant dans le passé. Puis elle se torturait avec ça alors que c'était juste moi qui étais comme, hey, ça va être weird de leur annoncer ça. C'est une drôle de job, pareil. Là, on est pas comptable, là, nous autres. Fait que. Mais tu sais, là, elle s'est torturée avec ça. Fait que je me suis senti un peu mal pour ça. Mais ouais, je me suis fait hâter à Cuba par une drague dégueulasse en plus. Super laid. Super laid. Pas intéressant. Non, non, c'était Pénélope. Ah! Bon, je l'ai dit, t'es Pénélope, Gaulis. Mais. Ouais. Pourquoi vous êtes si durs entre vous, les dragues?
Parce que, mettons, c'est pas besoin d'être une drague que je taïsse dans la vie, là. Mais, wow! Mais c'est sûr que c'est une grande culture de roast pis de bitchage. Ben, tu sais, moi et Rainbow, on est des chums, mais on fait juste ça, s'envoyer chier. Oui, mais on comprend que vous vous aimez. Tandis que, mettons, ce que j'ai cru comprendre de RuPaul Drag... Moi, je peux pas écouter RuPaul Drag Race parce qu'il y a trop de haine, à mon avis. Ça, c'est moi dans la vie. Là. Toi, t'aimes pas la haine. Toi, trop de haine. Toi qui se chicanes avec des inconnus sur Facebook, t'aimes pas la haine. Voyons donc. Oui, mais moi, tout le monde le sait. Tout ce qui est bon pour moi est pas bon pour les autres. Okay. Puis moi, je suis spécial. Ça, puis... Mais déjà, je me chicane sur Internet. Je peux pas relaxer en voyant de la chicane. Oui, effectivement. Mais sur RuPaul, pour ceux, faut le mentionner, ceux qui savent pas, il y a énormément de haine. Il y a des drag queens qui sont haïs. Mais des drag queens, c'est des gens qui ont vécu souvent des parcours difficiles dans leur homosexualité, dans tout ça. Fait que, là, quand ils font de la scène, ils deviennent drag, puis là, le monde aime ça, ben là, l'ego fait genre POW! C'est l'enfer. Yes! Fait que, on est vraiment des personnes de marde, là, dans le jeu. Oui! Je vous le dis, on n'est pas aimable. Mais je pense que ça explique ça. Puis il y a beaucoup de drag aussi que, je sais pas, ça se sent comme des superstars. Là. Ça se prend pas de la merde. Là. Fait que je pense que c'est ça qui explique la haine. Mais aussi, c'est le fun à hier. On peut se le dire. Là. Amen. 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 Oui. Fait que t'as pas écouté Drag Race, mais toi, t'es une fan de Drag Race. J'ai pas tout écouté, mais j'en ai écouté beaucoup. Ouais. Moi, j'écoute juste quand ils se maquillent puis ils parlent de leur problème d'alcool. Parce que ça me touche. Ah! Mais, hey, je veux juste corriger. Là, on parle de Drag Race, parce que là, on est à Saint-Eustache. C'est pas des courses de chars, les chums. Juste pour être sûr, là, c'est l'occupation double des fifs, OK? Ouais. C'est une compétition de drag queen. Ah, non, c'est mais notre juste Super Bowl à nous autres. Oui, oui, c'est le Super Bowl. Ils font jouer le programme d'un club, là, puis tout le monde se réunit, puis crie après à TV. Il y a des pools de Drag Race qui se fait. Ah, un Drag Race Pick'em! Pourquoi je fais pas ça à la place? Pas de batte! Bon. comme je dis, moi, j'aime le bout où ils se maquillent puis tu apprends à savoir qui ils sont. Dès qu'ils se mettent à danser puis se faire juger, je suis pas capable. Ben, c'est le meilleur bout. Juge que t'as eu. Je trouve ça difficile. Mais non! T'as de la misère avec les juges dans oui, la vie aussi. Oui, oui! Oui! Oui, 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 j'haïs ça. J'haïs juger les performances artistiques. Ça m'énerve. Ça n'a pas de sens. Parce que la personne fait de l'art, fait ce qu'elle veut faire, mais tu sais, dans un contexte de compétition, j'avoue, c'est weird. Ça m'énerve. Oh, c'est fucking weird. Je veux pas que ça change, mais moi, je suis pas capable. Ouais. Ouais. Mais moi, tant qu'à moi, regardez RuPaul's Drag Race. Bon, pour ceux qui connaissent pas l'émission, il y a toujours deux personnes au balotage. Et mon Dieu, c'est un balotage, on dirait Love Story. Ben oui, ça me bat. J'adore ça. Eh mon Dieu, you Kevin Kyle, là. Viens nous faire un crack, t'es pas gay. Ça, c'est bon. Kevin Kyle, t'es-tu Love Story? Ben oui. En tant que straight. Ben, en straight. Voyons, ben, les lèvres grosses de même, stylées. Les lèvres. Micro-blédées, voyons donc. Ben oui, les cheveux jaunes habillés en Ed Hardy, à l'époque. Okay. Mal le rêve. Mais oui, mais moi, je trouve que c'est vraiment... oui, bon, il y a deux personnes au balotage et ils font une toune de lip-sync et il y a quelqu'un qui se fait éliminer. Et moi, perso, je trouve que c'est ultra important parce que RuPaul's Drag Race, ce que je reproche de cette émission-là, c'est que c'est beaucoup un show de personnalité. Mais la base d'une drague, c'est de performer. Mm-hmm. Et c'est au lip-sync, je trouve, qu'on voit qui est un performer et qui est une drama queen. Oh. Et moi, là... C'est dit! Ben oui! Ben, c'est dit, puis... Ben, regarde... Oui, non, ça a pas fait de bruit tant que ça. C'est plus le butt plug à Mona c'est qui a fait capitolé. Plus de bruit. Ça a tombé. Faudrait ça a tombé. Pas que je l'échappe. Mais non, moi, je trippe cette partie-là parce qu'on voit qui est un performer. Et moi, c'est ce qui m'allume le plus dans le métier de la drague. Sauf si la drague est très, très drôle. Mais tu sais, tu peux ne pas danser et être fucking crossante. Mm-hmm. Y en a-tu qui écoutent RuPaul's Drag Race dans la salle? Oui, ah, wow, OK. Moi, perso, là, tu sais, mettons une drague qui ne danse pas, Ben de la Crème, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, elle a fait Anaconda de Nicki Minaj, l'autre qui se donne, qui twerk, bon, l'autre qui fait de la comédie à fond la caisse, puis elle a torché tout le monde. Ça, c'est vraiment l'essence de la performance, puis tout ça. Fait que, ouais, vous autres, mettons, là, vous feriez RuPaul's Drag Race. Oui. Ah, vous avez le choix de faire un lip-sync for your life. Quelle tune vous aimeriez faire comme lip-sync for your life? Je suis très curieux de savoir ça. Ça peut être une tune de gars aussi, Thomas, si tu veux. Ouais.
Genre, on dirait que ça m'étonnerait que tu écoutes du Michel Richard. Ah, moi, je le sais! Exactement, parce qu'en fait, c'est une toune que j'ai voulu faire. Il y a un podcast qui s'appelle Jam ton top 3 de Dave Morgan, qui est vraiment cool et bien fait et tout ça. Vous irez voir ça. Puis, j'ai participé à un événement cet été où est-ce qu'on était plusieurs podcasteurs et humoristes. Puis, eux, ils sont comme un house band. Puis, tu arrives puis tu fais une toune avec eux autres. Fait que, tu sais, on n'est pas des chanteurs. Ben, on chante. Très bien. Mais Steph, je veux dire, oui, elle chante très, très on bien. On est plus là pour s'amuser que livrer la performance vocale de puis notre vie. Tu as fait les deux, pas encore même. Mais j'ai fait les deux. Mais je voulais absolument faire Girls, Girls, Girls de Motley Crue. Et je l'ai répété. À chaque fois que Tom partait à une soirée d'humour, j'étais comme, ah, oh, je vais me coucher de bonne heure, bye bye, mon amour. Puis il partait, puis j'étais comme, girls, girls, girls. Alors, je répétais ma toune. Et puis là, un moment donné, Dave, il m'a dit, ouais, c'est parce que Motley Crue, leurs guitares sont comme ajustées, mais comme un ton plus bas. En tout cas, je sais pas trop comment il m'expliquait ça. Excuse la marde, là, finalement. Fait que c'est ça. Puis là, il m'a dit, il faut que tu la chantes plus basse. Puis impossible, ça fait 6 semaines que je la pratique. Girls, girls, girls. Oui, c'est ça, ça donne pas la même affaire. Enfin, j'ai pas pu la faire. Alors, je pense que ça serait ça. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Puis je serais habillée un peu comme en. Ben oui, c'est une belle tune de danseuse. Biker slot, là. Oh, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Tu m'as-tu traité de slot? Ah, bah, non. Est-ce qu'il y a rien de slot là-dedans? Je me respecte pourtant. Thomas. Ça serait just like a pill de pink. Tu fais du pink? Pink, non! Tu sais, là, la toune que personne connaît, là. Ouais, mais moi, Pink, elle me touche. Bon choix. Ben, mais c'est parce que le but, c'est de faire une performance un peu comme flamboyante, puis danser, puis tout ça. Tu sais, just like a pill, c'est comme. Ben non, il va faire la lesbienne, une chemise en flanelle. Ouais! Beau. Hey! Tu Pink, Asti. Ben oui! Ah, oui. Ouais, ça me surprend de toi, Pink. Elle me touche. What the fuck? Oui, c'est pas facile. Puis elle dit, puis je fais, ah, oh, moi aussi, c'est pas facile. Ah. Tom, il a eu de la peine quand il a appris que la toune de Olivia Rodrigo, c'était en fait un remake de Paramore. Ouais. Ah. Ouais, j'ai pas eu de peine, j'ai défendu pendant trois jours. Oui, il arrêtait pas de la défendre. Il était comme, non, c'est une artiste entière, puis je suis vraiment fière d'elle. Puis là, c'est qui, Olivia Rodrigo? Ben, c'est Paramore. Lui, c'est qui? C'est qui? C'est drôle. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous sortiez... Ben toi, je pense que je t'en ai déjà parlé, mais Steph, sortais-tu dans les bars de drague avant de chier un flow? Je suis jamais... Chier! Non, ben, je sais pas non, comment... Non, mais... Je sais pas comment ça non, marche. Non, mais mon âme, j'étais là, pis c'est ça. c'est pas mal, ouais. Ben, c'est naturel, là. Je chème rien. Un petit peu de caca en accouchant, c'est normal. Mais ouais! Mais... Mais ouais. Mais en compte, on a le bout de l'accouchement qui est super drôle. Oh, pelin. Qui est donc. Ça te tente-tu? Le bout où le bébé t'a pogné. Il a. Hein? Ah, oh, oui, c'est vrai. Quoi? Moi, j'ai accouché à l'hôpital, puis oui, je suis all-in avec ce qu'on appelle l'épidural. Ben oui. Ben oui. Donc, je vous le recommande, ça a l'air bon. Moi, le lendemain, je suis retourné en disant ouais, l'épidural, y'a-tu moyen, le moyenné? Puis, ça a l'air cool, man. Et... Il le pique dans la colonne. Ah ouais. Ah ouais, direct dans la colonne. Ah fait ouais, que, et là, ça dure plusieurs heures. Puis au fil du processus, il ajuste aussi la dose. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop élevé. Parce que si c'est trop élevé, tu ne fais juste plus rien sentir. Mais il faut quand même que tu sentes un peu les contractions pour pousser au bon moment. Bon, c'est okay. Technique, mais voilà. J'ai envie de vomir. Ben voyons. Ça me fait rire, les dragues, parce que ces vieilles femmes, ils détestent tout ce qui a rapport à leurs organes génitaux. Non, ben non, c'est correct. Regarde, le smoking. Avez-vous déjà fait avec des cunnilingus? Pardon? Un quoi? On va revenir. Mais avez-vous déjà fait des cunnilingus? J'avais compris le défi lingus. C'est genre le défi Pierre Lavoie, mais de soir, mettons, là. Tabarnak! Un défi lingus! Hey. Mange-moi la chatte pendant que tu traverses tes obstacles! C'est le nouveau nom de la CPGL! Non, mais c'est le Iron Man de la plotte! Avez-vous déjà fait? Un cuni, non. Jamais, non. OK. Jamais? Ben non, j'ai fait mon coming out devant une fille nounoune. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a oublié ça. La seule blonde que j'ai eue, j'ai failli coucher avec. Quand j'y ai descendu et jogging, j'ai fait « c'est toi, faut qu'on se parle. » Puis là, elle était jackée de même, là. Puis là, j'ai dit, hey, je pense que je suis gay, ça marchera pas, là. Ouais, ouais, ouais. Puis on a beaucoup ri. Oh! Ben. Au moins, j'en ai vu une de près, mais moi, ouais, j'aurais hors de question que je mange ça, là. Je comprends. C'est rien contre vous, les filles. C'était de toute beauté, mais tu sais, je l'encadrerais plus que je rentrerais dedans, là. Tu sais, c'est. Donc, unilingus. Alors, mais bref, j'étais high sur l'épidural. Ouais.
Et c'est ça, puis ça a été comme ce qu'on appelle la poussée, là, encore une fois, désolée. Là, ça a duré très, très, très longtemps. Donc ça, c'est que tu pousses quand tu as des contractions, puis après ça, tu arrêtes, puis quand il y a une autre contraction, tu repousses, puis ça peut être très rapide ou ça peut durer des heures. Et moi, ça a duré des heures. Combien? Et 3 heures. OK. Ben, y en a qui accouchent pendant 26 heures. Non, mais là, le processus, mettons, c'est complet. Okay. À partir du moment où tu perds tes os jusqu'à ce que le bébé naisse, ça, c'est ça, le nombre d'heures. Okay. Fait que moi, ça, c'est un genre de 12 heures. Mais c'est cool, parce que si notre fille se demande comment c'est passé son accouchement... Elle va écouter ce podcast. C'est sur YouTube. Elle peut écouter. Et elle va également apprendre qu'Hugo Girard chie tout le temps. Ouais! C'est ça. Fait que là, t'es et que l'Église a essayé de violer son grand-père. Stone Red et entre mes poussées, j'hallucinais Gwen Stefani puis elle me parlait de mode. Et je ne suis pas une grande fan de Gwen Stefani. Je la respecte, mais... C'est bon, l'épidural. Ça donne le goût. T'hallucinais Gwen Stefani. Elle était là, là. Elle parlait de mode. Parce que, tu sais, ben, voyons donc, tabarnak, j'en veux. Ben oui! Ben oui! Ça a l'air malade. Pour vrai, là, moi, je pense au peu de fois que je fais de l'anal d'une année, donnez-moi une épidurale, oui! Peut-être avoir moins mal. Exactement! Hey, ça, faut qu'on en parle. Oui, parlez d'anal! Parlez d'anal! Ben oui! Ouais! Bon, tu sais comme ça dans le cul, tout le monde! Ben, ben oui, applaudissez! Ben oui, ben oui, ben oui! Non, mais Rainbow, parce que, excusez, là, c'est... On s'en tabarnak, on parle d'anal. Non, mais là, c'est drôle en tabarnak. L'église va pogner en feu, j'adore ça. Parce que t'as dit le peu de fois, je peux t'en parler? J'ai appris que, parce que tu sais, il y a top-bottom, on assume que toutes les gays, ça s'entrefourre à qui mieux. Mais il y a ce qu'on appelle sideways. Oui! Et toi, t'es ça. Oui! C'est quoi, tout ce qu'il y a ça? Autour. Ah, okay. Tout le... Le caressage, excusez-moi, Colin. Hey, non, mais ton imitation, pour vrai, la dernière fois que j'ai vu faire ça, c'était au bar à pain chez Pacini. Oui, puis je suis barré. Puis là, Dad Giovanni vient de fermer en plus. Je sais plus où manger l'italien. Mais, mais ouais, fait que sideways, c'est que tu fais pas le coït brun qu'on appelle. Le coït, vous branlez un à côté de l'autre, genre. Non, mais on s'amuse quand même. Tu branles un à côté de l'autre. Non, mais ils font tout, là. On fait ça aussi des fois de temps en temps. Mais oui, on est capable. On est sideways de temps en temps. Sideways au bout. Mais on va se le caler maintenant. Le matin, sideways! À sideways! On se demandait... Sideways! Sideways! Vous criez sideways, ça le matin, ta fille. Ça a l'air... Nous, sideways, ça a l'air de demander comment tu veux tes wrists. Sideways. Non, mais OK. Moi, ce que je reproche dans la communauté... LGBTQIA+. Oui, ou ceux j'ai qui sont... J'ai fait mes devoirs. Non, mais c'est toujours... Moi, j'ai eu sur Grindr me faire poser la question top ou bottom. Mm-hmm. On peut-tu le découvrir? Puis, on peut-tu aussi ne pas nécessairement aimer ça puis de faire ça à tous les soirs? Je dis pas une fois de temps en temps, ça va, mais de faire ça, c'est parce que ça demande de la préparation. Tu peux pas dire, hey... Ouais. Go, viens-t'en, ça se passe maintenant. C'est pas tout le monde qui est nécessairement prêt. Mais c'est du sport aussi. J'ai un ami, la première fois qu'il a couché avec son chum, il a fait un choc vagal. Wow! Il s'est évanoui, il s'est fait tuer à grands coups de queue. Moi, personnellement, c'était un rêve. C'est ça. Mais c'est du sport, là. Non, mais... C'est de même, je veux mourir. Donc, mais... ouais. Oui. Oh! Mais donc, oui, le sexe anal, ça demande de la préparation. Oui. Comme, par exemple... Se poirer. On en a parlé sur ton podcast. Se poirer, c'est donc une petite... Une petite poire en silicone. Poire. Là, attends, on a, je pense. De l'eau room temperature, là, puis... Tau! Puis tiens-toi dans le bain. Tu peux le faire avec une... bouteille d'eau! Ben oui, une bouteille d'eau, on en a parlé. Non, pas parce que je le fais souvent, là, parce qu'au podcast, on a jasé. Une bouteille d'eau! Bouteille d'eau, Naya, c'est meilleur que... J'ai juste demandé de te brosser les dents. Pas obligé pour ceux qui n'ont pas le référent... ceux qui ont ma bouche pue, mais mon anus, là... Clé! Impeccable! Y'a rien! Thomas, chez eux, il y a du sinus rince, puis il dit oui, c'est pour mon nez, là. Non, mais douche, téléphone, ça peut marcher. Puis vous pouvez vous rendre compte assez facilement quand vous allez chez un couple homosexuel. Si vous partez à la douche puis que c'est pas la douche téléphone qui a un jet, mais c'est à côté... Il y a une extension. Exact, c'est parce que ça la rentre trop dans le cul. C'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Mais sinon, là, ça a l'air terrifiant. Là, s'il y en a qui sont en garde-robe, mangez des fibres au pire. Ouais. Ça te sauve un set de draps sur un instant si t'es régulière. Sodomie caca, c'est ça qui se passe à soir. Là. C'est juste ça qu'on dit. Mais bref, toi, tu ressens de la pression dans la communauté. Oui, j'ai de la pression. C'est comme la pression pour allaiter, mais de l'anal. Là. Je comprends. C'est vraiment...
Je sens qu'il y a une pression. C'est moins chic qu'aller l'allaitement. J'adore ce rapprochement-là! Non, ben tu sais... C'est comme l'allaitement! Colline! Hey, mettez-moi dans le clin d'œil, aussi, à quelque part. Ça mérite une chronique, ça. À côté de Julie Snyder, elle était... Non, ben, il paie mal, aussi. Elle était ses glam. Mais oui. Puis, wow. Ouais, c'est ça. Mais bref, moi, je ressens une pression et... bref, tout ça pour dire que... C'est pas parce que t'es gay que t'aimes nécessairement ça. J'aime ça une fois au chalet ou t'sais, une fois de temps en temps, mais à tous les soirs, pour vrai, je serais incapable. T'sais, déjà que j'ai des gros problèmes d'estomac, je ne me vois pas faire ce chemin-là à tous les soirs. C'était comment la première fois que vous avez fait de l'anal? Compliqué. Parce que je suis aussi flexible qu'un 2 par 8. Un 2 par 8, c'est chaud au soleil pendant une couple de semaines. Là, fait que, c'est parce qu'il faut que tu jacques les jambes. Puis tu sais, t'as les genoux chaque bord de l'oreille. Là, ici. Il y a certaines positions qui sont plus agréables pour une première fois. Là. Ouais, mais moi, j'avais vu ça dans un film. Je me suis dit, il m'a impressionné, le gaulliste. Il m'a pas fait l'étoile morte, là, mané. T'as monté. Mais attends, dans quel film t'as vu ça? Courbaturé de même, là. Pour avoir. Les blondes et les gales 2. Dans Nemo. Dans ça, Nemo. Dans Pornasty sur Internet. Dans quel film? Marley et moi. Oui. Un moment donné, Marley, il rencontre un labrado-dôle, puis je te dis que... excusez, je suis fatigué. J'ai tellement trop bu hier. Ces films-là, il va être super loué. Ça va être... Dans quel film, tabarnak? Mais non, mais je peux te dire un film. J'étais comme, mais je cherche le film. Mais non, mais là. T'es un film d'adulte, là. Ah! En tout cas, mais la première fois, non, ça s'est passé correct, mais j'ai été, tu sais, clair. J'ai dit, hey, première fois que. Oui. tu sais, en tout cas, je vais éviter les détails. Mais non, go les détails. Es-tu là pour les détails, gang? OK. Bon. C'était la première fois, j'avais hâte, mais j'étais stressé. Aye. Et j'ai stressé quand j'ai vu, c'est comme 2 canettes de coke empilées. Non, un Pepsi King Can, là. Wow! C'était ça son bat, là. Wow! J'habitais, ouais, c'est surprenant, elle est comme calice. Ça me tente, mais j'habitais à 3 coins de rue chez le gars et j'ai pris un taxi le lendemain pour aller chez nous. Ouais, il y avait pas de chaise roulante à portée de main. Ouais, fait que, mais il faut se relaxer aussi parce que être stressé quand tu fais de l'anal, c'est la pire affaire. Si t'es stressé quand tu fais de l'anal, c'est là que tu te brises. Faut relaxer. tu te décolles la valise en estime. Wow! Puis t'as recommencé. Ben là, j'ai pris un break, là. Comme la drague, attends. J'ai été m'acheter un galon d'Anusol. J'ai pris des vacances. J'ai acheté un bang gonflable. J'étais assis sur Dice Pack à semaine longue, là. Et toi? Mais il faut communiquer, ben même les hétéros, communiquer quand vous fourrez, parce que sinon, ça va juste être plate. Hostie. Fait que communiquer, c'est important. Moi, là, d'ailleurs, la meilleure vidéo du web, là, c'est sûr, c'est un vidéo, mettons, 18 ans et plus, sont dans une van, et là, le gars, il se donne avec la fille, et il se passe, je ne sais pas quoi, le gars sort de la fille, et ça rentre direct dans les founes. Ah! Et là, tu vois la fille qui hurle. Je le mettrai sur Facebook, mesdames et messieurs, si vous voulez. On va mettre le lien dans les commentaires. Non, le meilleur vidéo de tous les temps. Ah oui. C'est One Man, One Jar. Ah, celui qui se met... Oui! Ouais! Hey, tout le monde, googlez One Man, One Jar. Ou pas. Alors, googlez ça. C'est un homme qui met une caméra. On voit un verre. Ouais. Il décide, je vais me mettre dans le cul. Il réussit. Le verre casse. Bah. On parle de fissures anales, ça, c'en était une en esti, là. Voilà. Je pense que les testicules viennent me ressortir. Ça se passe pas bien, mais là. Est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent dans le milieu de la santé? Demandez-leur ce qu'ils trouvent dans des messieurs en cravate, des fois. Oh. Oui. Ma sœur est en radio. Ben là, secret professionnel. Attends, non, mais je suis curieux. Y en a-tu qui travaillent dans la santé qui ont une histoire pas d'allure? Y en a-tu? Non, personne n'a sorti une gerboise. Ils sont en train de travailler en ce moment. Ah, j'adore. Tu vas peut-être sortir les affaires des fesses. Sont de... Mais les messieurs, là, genre, assumez-les, là, que des fois vous jouez à Brayfoon, là, mais arrêtez de mettre n'importe quoi tout seul dans la salle de bain, qu'on lisse, là, c'est dangereux. C'est quoi les meilleures choses à se rentrer dans le cul? Un Playmobil. Ben non, attention, des fois, le cheveu, il reste, ça. Oui. Il déclippe. Mais non, je ne me suis jamais rentré de Playmobil. Les bras dans les airs. Ou... Un pénis, toujours. Juste préciser. C'est pas parce que je veux l'essayer. tabarnak. un pen, si, qu'est-ce que je te dis? Il y en a qui se rendent des affaires. Il y a un monsieur qui est mort empalé sur son débouche-toilette. Wow! Ouais, je m'excuse tout le monde. Encore une fois, on est dans une église, alléluia, calice. Mais
Le monsieur, il s'est dit, il a crissé... C'est qui m'a conté ça? C'est ma chum qui travaille à l'hôpital. Mais il a crissé son débouche-toilette dans le bain. Et là, il s'est assis dessus. Il est allé un coup trop loin. Et ils l'ont trouvé 3 jours plus tard, empalé... CSI devient moins intéressant dans ce temps-là. Hey, non, j'ai assez hâte de voir. L'épisode dure 4 minutes. Oh, hey, comment il est mort? Comme ça. Ouais. Hey, non, mais ouais, c'est l'épisode le plus court de l'histoire. Ouais. Après ça, c'est 26 minutes d'un gros plat sur lui. Imaginez que... hey, non, mais ça, là, pour vrai... ça. C'est un bon show. Qu'est-ce que ouais. Le reste, ils vont manger des toasts. C'est ce qu'on a la journée. Hey, moi, j'ai assez hâte de voir Michel Charest dans le District 31 arriver sur cette scène de crime-là. Ça serait malade. Oh. Tu veux qu'il fasse un rap là-dessus? Est-ce qu'on peut parler du bar le Unity? Parce que tantôt, tu as parlé de bar de drague, mais je dois avouer que je suis jamais allée dans un bar de drague. Je suis jamais allée chez Mado. Je te jure. Mais j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de soirées au Unity. Mm. Ah. Et quel endroit extraordinaire pour faire la fête. Je suis jamais allée. C'est vrai? Ben voyons donc. Je suis pas une fille de club. Eh bien, moi, j'ai travaillé longtemps au Unity. J'ai adoré ça. Ben, mon anecdote préférée, ben, j'en ai deux préférées. Il y a juste le fun fact qu'un moment donné, je suis allée au jour de l'an au Unity, puis on a pris drink trop longtemps chez mon ami. Fait qu'on a fêté le jour de l'an dans la file d'attente. Arc! Le décompte, là? Oui! Dégueulasse! Avez-vous attendu dehors dans la file d'attente, pas de t-shirt parce que je l'ai pas payé le vestiaire à 2 piastres? Exactement, mais oui, il habitait juste à côté. Bon. Fait qu'on sait ça, là, on était... Les filles de Laval, ça. Payez donc le vestiaire. On sait pas sortir. Puis, après une autre soirée, il y avait une drague qui animait, puis elle essayait de faire deviner aux gens qui la personnifiait, parce qu'elle avait, vraiment un personnage précis. Et elle arrêtait pas de donner des indices. Puis, je veux dire, c'était plein de jeunes gays sa pilule, fait que personne n'avait jamais les bonnes réponses. Puis, elle personnifiait Patsy Galant. Ben non! Mais tout le monde avait genre 18 ans, fait que personne n'avait... Mais c'était qui la drague? Si ça n'a pas de jugeote, Patsy Galant? La majorité du monde sont mineurs dans exactement. Ce bar-là. Ça m'avait vraiment fait... Ouais, mais dans un sens, tu le sais que... Quand tu dois faire deviner en quoi que t'es, c'est déjà voué à l'échec. Change de ça, c'est pas clair. Faut que tu le reconnaisses facile. Là, ouais, retourne fouiller des boulettes. Tu l'as pas eu, ma chum. Mais non, mais, hey, non, mais pas vrai, à travailler au Unity, j'étais shooter girl au Unity et j'en ai vu des drags fucked up travailler au Unity, des drags qui ont pas fini leur chiffre. Pardon? Parce qu'ils étaient trop saouls sur le mojo shot. Peux-tu croire qu'on peut se saouler sur le mojo? Ben, c'est sur le mojo, c'est un coma diabétique qu'ils ont fait. Là, c'est terrible. Pas un coma éthylique. Là. Le nombre de drags que j'ai vu débouler les marches de la terrasse jusqu'au Unity, ça n'a pas de sens. Les marches n'étaient pas éclairées, c'était pas égal. C'était catastrophique. Moi, une fois, j'étais au bar à shooter, j'ai vomi à côté de Marimé. Oui, je vous jure, à caler des shots de tequila et moi, la tequila et le Jack Daniel, impossible. Et je sais pas pourquoi j'ai dit oui et j'ai pris le shooter. J'ai dit, hey, donne-moi 2 secondes, j'ai vomi dans la poubelle. Ah, si je le vois, elle se relève la tête, elle dit, excuse, c'est ton nouvel album. Je suis pas capable. Calisse que ça m'écarte. Non, ça aurait été malade. La porte grande ouverte. Oui, change de job, calisse. Il faut que tu t'en ailles. C'est pareil depuis que changer de job. Non, hey, moi j'assume pas cette gag-là. J'adore Marimée. Elle est. Ah, moi j'assume absolument tout. J'ai fait un tour d'attente. Non, moi je l'assume pas celle-là. Je me dis tellement pas, moi je fasse l'exercice. D'après moi, elle n'écoutera pas le podcast. Là, mais elle est occupée à broyer. Elle liste des invités dans 2 lèvres. Je pense qu'on va aborder de la liste. Bon. Invite Fred à la place. Lui, c'est un vrai bon petit gars, Fred. Il a tout perdu, asti. Oh my God. En tout cas. Moi, je pense que je vais aller fumer une cigarette, je reviens. Bye. Hey, voulez-vous lire des dates? Vous lire des dates de nos auditeurs? Ah oui, ça, c'est mon bout préféré. Ah oui, ça, les objets sexuels. Oui, j'en ai. OK, c'est le moment des dates commandités par Eros et compagnie. Oui! Time out. C'est good. J'aimerais plugger le fait que nous avons un podcast entre deux lèvres et avec le titre « On ne comprend pas pourquoi Eros et compagnie ne nous commanditent pas aussi ». Je lance le message. Envoyez-nous des dildos pis de l'argent, on va savoir quoi faire avec. Ah, c'est bon. All right, alors, ou des potes plugs pour se dilater l'anus, dont on parle. Oui. On a tout. Ben oui, c'est tout. OK, fait que complète, vas-y. Couple 15. Non.
avec ça le code promo. Là, c'est moi qui est corporate entre nous deux. OK, couple 15. OK. T'aimes ça te masturber, c'est extraordinaire. Pourquoi aller en date avec une personne désagréable qui, quand tu lui dis ton métier, sort de ton appartement? Au lieu de vivre ça, reste chez toi, masturbe de toi ou, en couple, masturbe de toi avec ton partenaire ou tes partenaires. Sideways! Sideways! Parfait pour les sideways. Le code promo pour 15 % couple 15, couple en écriture, 15 avec des chiffres. Si t'es pas capable de trapper de ça, t'es pas censé être dans un sex shop. Hey, c'est malade, t'as bien fait ça, Thomas. Bravo, c'est toi, toi qui as fait une pub de sponsor une fois puis t'as ri des enfants malades pendant 15 minutes. Malade, ouais. Alice. C'est quoi ça, là? Ça, c'est le cadeau. Ça, c'est votre cadeau. Il y a un petit mot, vous pouvez le lire, puis il y a un cadeau. Y a-tu un double dildo, là? Tu sais, tu vois ça des fois, c'est long de même, puis il y a deux bottes, en tout cas. Bonjour, ma belle Rainbow et la laine Mona. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bonjour, nos deux drag queens préférées. Nous vous offrons deux jouets différents, mais qui vont au même endroit. À vous de décider qui aura lequel. Amusez-vous bien, l'équipe des Ross. C'est cute. Attends. Ils sont fins de vous sponsor de même. C'est extraordinaire. C'est malade. Parce qu'on les traite bien, on fait bien leur pub. C'est une des raisons. Tu veux que je pige? Très bon. Je sais que je suis. Ouais, bref. Ah, hey, regarde, ils t'ont mis du savon. Intimité, lubrifiant. Ah non, c'est un lubrifiant, excuse. Je pensais que c'était un nettoyant. Moi, je lave mes jouets au savon à vaisselle, je sais pas vous autres. Il y a une fille qui m'a écrit en DM pour expliquer, parce qu'un moment, on a parlé de notre dildo qui s'est décoloré. Ouais. Puis elle m'a dit que c'est parce que je lave avec du savon. Puis il faut que j'utilise ça. Fait que c'est pas ta chatte qui est bizarre. C'est pas ma chatte qui a un pH de 3. On en a chacun. C'est vrai, t'as décoloré un dildo. Il était d'ailleurs mauve, exactement comme ton ombre à paupières. Ah mon Dieu. Vraiment ce mauve. Thomas, il a regardé. Il dit mauve Mona. Je veux un mauve Mona. Malade. Hey, là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Oh, wow! C'est celui qui... OK, non, c'est pas lui qui colle sur le... Mais ouvrez-le. Mais je sais pas c'est quoi. C'est ça quoi, doit toi? Être un stimulateur de prostate. J'ai l'impression. J'en ai un de même. Ça, là, tu peux le mettre à l'épicerie, puis ton chum, elle allait parler dans le dildo, la petite conne. Ça, oh, ça, c'est malade. Ça, ça, gars. Ça, tu te rends ça dans le screenshot. Non, mais. Puis ça te fait une job de Pyrénées, puis une job de tu en même temps. Mais, c'est parce que c'est remote control. Fait que tu peux aller au labé, Calis, pendant que tu check un malaxeur qui te chenait. Ton chum, pow! T'as un jase au vendeur. Non, mais, c'est malade. Pour vrai, c'est génial de recevoir ça. Pour la simple et unique raison que la première personne, je pense qu'on va l'offrir. On a reçu Christine Morancy notre podcast. Et on parlait que les trucs avec remote, imaginez, tu fais un party. Tout le monde se rend ça dans le cul et tu mélanges les manettes. Oh! Et que tout le monde a une manette et au feu de la... Hey, on n'a pas le choix d'inviter Christine, puis on met 40 manettes à l'entrée. Puis c'est ça, là, cette année que grand-maman vienne à Noël, jouer à ça devant elle, elle ne reviendra plus, tabarnak. Mais ton party du 1er janvier, c'est parfait, là. Hey, ben oui, PFK et bas de plug. Voilà. C'est le slogan. C'est cœur, hein? Mais merci. Oublie pas de nous inviter! C'est quoi, ça? Attends, ça va le dire, là. Ah, tu peux poser du Jeep Rock avec ça, c'est malade. C'est pour détecter les beams des murs. Product instruction, operating. Oh, je pense que c'est juste. Oh, c'est parce qu'il se rétrécit puis il te fourre sans que t'aies un chum. Wow! Ça te prend ça? Moi, je suis trop fine avec les gars, t'es. Il est éteint, je pense. Ah, je sais pas s'il a été recherché. Non, il a pas été rechargé, gang. Ah! Mais même près du micro, là, tu fais du micro. Hey, c'est hydraulique, cette histoire-là. Ouais, j'ai entendu un petit bruit de break de camion, là. Ça a fait... Deux drags qui jouent des drag queens, qui jouent des objets sexuels, c'est bon. Coupez ça, donnez-nous une demi-heure, on va aller en arrière, là, on va... Ah non, coupe rien. Je suis pas capable. C'est hydraulique, ça sort d'où, l'air? Ben, gars... Hey, ben, garde, je vais faire un live Instagram tantôt chez nous. Mon amour, veux-tu lire une date? Hey, oui. Je suis très... Merci, j'ai super hâte. Ben, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Merci. Eux autres qui assistent à ça. Deux flounes qui sont comme... Ah, oh, je peux me rentrer ça partout, gagner. Mais il me fait peur, le tien. Mais ça a l'air d'une petite construction. Ça a l'air d'une vis. Oui. C'est le modèle Hugo Girard. Après, tu chies sans arrêt, c'est malade. On t'aime, Hugo. Juste pour merci. Ben oui, juste pour ceux qui ne connaissent pas le segment, parce qu'ils sont nouveaux, ils sont sur YouTube, ils font « Qu'est-ce que je vois? » Oui.
il y a des gens qui nous écrivent anonymement des dates et nous, on les humilie. Mm-hmm. C'est voilà. Fait par... C'est, tout va bien, il n'y a pas de problème, ils sont habitués. Et si jamais tu as une date horrible que tu veux partager avec nous et tous nos auditeurs, c'est coupleouvertpodcast@commercial.gmail.com. Je dis bien l'adresse parce que tu ne veux pas juste envoyer ça à n'importe qui. Alors, si ton adresse courriel ressemble à Couple Ouvert Podcast, questionne-toi sur ton choix d'adresse courriel. C'est ça. Mais c'est bon. Imagine si c'est une firme de comptable. Ben, toi, ça t'arrive-tu aussi? Moi, des fois, il y a du monde qui me l'écrivent en message direct sur Instagram. Puis là, je suis comme, je vois ta photo, puis tout. Personne. Je me sens mal tout le temps. Moi aussi, je fais pas ça le but, madame. Mais c'est gentil, là, mais écrivez à l'adresse courriel. Je vais à l'adresse courriel, mais on te donne l'adresse, puis tout va bien. C'est voilà. Quoi? Même, écrivez nos adresses. Écrivez où vous voulez. On va le prendre. On va le prendre. Mais sais-tu qu'est-ce qui serait malade pour vous autres avec vos histoires de dates? Parce qu'il y en a, je vois, là, vous avez vraiment beaucoup de papiers. Sais-tu qu'est-ce que vous devriez faire? Ouvrir un compte OnlyFans et poster ces histoires-là. Ça serait malade. Mais voyons, ils font gratis. Mais non, mais ils en ont tellement, ils n'ont pas le temps de toutes les faire. Moi, je paierais. Non, il y en manque. Fait que continuez à nous envoyer. Continuez. Il en manque. Il nous en manque. Il y a genre un site que ça peut être une boîte vocale. Le monde peut t'envoyer un message vocal de comment long qu'ils veulent. Imagine, t'es fait jouer. Ah, mais c'est anonyme, hein? Si on entend sa voix. Oui, mais si on dit que c'est la voix, tu consens à donner ta voix. Oui, effectivement. Il y a rien de pire. Hey, j'ai envoyé un message, mais là, on me fait jouer le message. Oui, mais il va chier. C'était pas soin. Je comprends. Comprends. Alors, cette date s'appelle Excuse au téléphone. Ma pire date s'est déroulée l'été dernier entre les deux confinements. Après un match Tinder, nous avons convenu de se voir en personne chez elle. C'est un gars qui parle. Sur ses photos Tinder, la fille était très jolie. Lors des discussions, elle semblait avoir une belle personnalité. Bon, tu vois ce que ça veut dire, ça? Il y a un gay sous roche. Ariette, c'est une joke plate. C'est ça, une belle personnalité, hein? Elle est cool, elle. Elle me trouve drôle, dans le fond. Parle-moi plus de la chose dont je me calisse. Ah, clairement. Peu d'hommes ont clappé. Peu d'hommes. Je suis dans l'eau. C'est fascinant, le football américain. Lorsque l'on s'est rencontrés après quelques jours de discussion, la fille ne ressemblait pas à ses photos. Ce n'était pas un catfish, mais disons que la réalité était très loin de ses photos. Mais bon, j'étais déjà sur place et je me suis dit qu'au pire, j'aurais une belle discussion avec cette personne. Il est gay, ce gars-là. Ouais, non, c'est ça. Voyons. Qu'est-ce que t'as dit? Répète. Elle dit pour moi, c'est Jean-Héroldi qui a écrit ça. Ben non, il y a une femme pis des enfants. Ben oui. Hey, avez-vous déjà su des gars qui avaient des familles? Non. OK. Oui. Oui? Des enfants? Pis toutes, là. Ah, les enfants. Pas des familles, genre, il y a une sœur pis une mère pis... Okay. Parce que là, tabarnak, oui, dans ce cas-là. Ils sont pas arrivés en Dodge Caravan chez nous, là. Non, ça m'est arrivé une fois. Oh! Briseuse de ménage. Ça t'a excité ou ça t'a rebuté ou rien ou... Ben, écoute, moi, pour vrai, rendu là, ton histoire de vie ou ton background, ça, c'est le dernier de mes soucis, là, ben honnêtement, quand c'est genre un toc-toc, on s'amuse et tu décalisses. Mais, fait que je te dirais qu'il y a des enfants ou non, ça m'importe. Il n'y a plus de romance dans la communauté gay. Il y en a, là, ils disent, ils donnent l'adresse, t'arrives, la porte est débarrée, t'attends le cul dans les airs, là, ça n'a pas de sens. Il est arrivé quoi? Asti, aller au 13 Amigos, acheter une rose à Robineuse sur Saint-Denis. Il est arrivé quoi à ça, calice? Il y a une fille, il y a une chanson qui s'appelle « Bonsoir, une rose ». Avez-vous déjà entendu ça? Non. C'est une dame qui vendait des roses dans les restaurants, puis tout ça. Puis ils ont écrit une toune là-dessus. Vous irez sur... Je pense que vous allez trouver sur... c'est Apple Music, là. Mais « Bonsoir, une rose », c'est une toune qui existe pour vrai. Super. Bon? Très touchant. Fait que... une histoire pas de punch, mesdames. Le gay qui jase avec la LED, là. Alors... Elle était le parfait stéréotype de l'hygiéniste dentaire qui tripe sur le beach club. Ah, ouais. Est-ce que t'es ici dans la salle, madame? Honnêtement, c'est une des personnes les plus vides que j'ai eu la malchance de rencontrer. Après 10-15 minutes, je me suis dit qu'il fallait absolument que je quitte. Par contre, je me sentais trop mal de lui dire « Ouais, finalement, je vais partir, t'es un peu poche. »
pas obligé de dire ça. T'as déjà fait ça, mon amour. T'es un peu poche. Aussi un peu laide, là, soyons honnêtes. Et je méprise ton métier. Puis les fins de semaine, ce que tu fais, c'est niaiseux. À un certain moment, je lui ai demandé un verre d'eau. Pendant qu'elle est allée chercher mon verre, j'ai texté un ami pour lui dire de m'appeler dans les prochaines minutes. Je lui ai aussi dit d'inventer une histoire pour que je sois obligée de quitter les lieux au PC. Ça marche pas. Vous êtes déjà fait sauver? Ben, mais juste décalisser en vie. Tu peux juste assumer de t'en aller. Je suis d'accord avec ça. Non. Lorsque la demoiselle est revenue, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était mon ami. Il criait au téléphone. « Man, ton coloc a eu un accident de char! Il est à l'hôpital! Viens le voir! Ses parents ne sont pas rejoignables! Dépêche-toi! » En prenant... C'est un très mauvais mensonge, ça. Mais pourquoi mentionner ses parents ne sont pas rejoignables quand son ami va mourir? Parce qu'il faut qu'il y ait une personne à dire au revoir avant qu'il meure puis ses parents sont pas dispo. Ouais, c'est ça. Ton ami meurt. Lui, il est assez confiant, cet hostie-là, à faire jouer le jeu de « Mon ami est en train de mourir. » Voyons, tabarnak, c'est pas One Tree Hill, là, hostie d'épais. Fait juste dire « Ton chat s'est sauvé, tabarnak, viens. » C'est bien plus facile à gérer, là. Non, mais Chris! Oh, mon ami, sa vie ne tient qu'à un fil, hostie. Sa civique est décalissée. Ben non, personne n'y croit, là, tabarnak. Il y a du monde qui font l'école de théâtre 4 ans pour jouer le date. En prenant un air surpris, hein, surprenant ben, quand même. Le monde. J'ai donc regardé... Tout ça pour pas dire tes photos de date de 4 ans sur Tinder, change ça. J'ai donc regardé ma date en lui disant « Ouais, sorry. » Sorry, la mort de mon ami. Je dois y aller, mon coloc est entre la vie et la mort. Rien de moins. Je pensais pouvoir m'en sortir. Elle m'a regardé en disant « OK. » Viens, je vais aller te reconduire à l'hôpital. Si c'est si urgent, tu dois avoir besoin d'un lift. J'adore cette femme. C'est dépais, man. J'adore cette femme. Ben, c'est clair. J'adore cette femme avec tout ce que j'ai. Ah, lui, là, il a eu l'anus qui a fait. Ah, oh, tabarnak. Ah, elle a un char, la LED. Tain, mon gars. Asti que c'est bon. Mais voyons. Hey, donc. Elle travaille fort, Chris. Ouais, ouais. Ben oui, ça a l'air d'être bon. Elle est au gym, elle travaille, puis elle a des comptes de son char à payer. C'est bon. J'étais vraiment en mode « fuck esti que j'aurais dû juste partir et ben. Pas m'aventurer dans une histoire pas nécessaire. » Ça, c'est ton imitation d'un homme. Fin de la quote. J'adore. Ça, c'est un homme. Un peu gay refoulé, selon notre hypothèse, le fait. C'est une belle nuance. Merci. En tout cas, bitch, esti, j'aurais dû. Excusez. Fuck esti. Mon ami. C'était la ride de char la plus malaisante. Pendant une dizaine de minutes, j'ai dû jouer le gars qui s'inquiétait beaucoup trop. Ah, mon Dieu. Une fois arrivé devant l'entrée de l'hôpital, j'ai dû entrer dans l'établissement pour de vrai puisqu'elle restait devant la porte! Elle est sortie du char! J'aimerais souligner, c'est pendant la pandémie, là. Les hôpitaux, ils les laissent pas rentrer. Tu peux pas rentrer? Non, tu peux pas! Ah, ben tabarnak des paix! Ah, non! Fait que là, c'est rentré en disant « J'ai une dette qui va mal, aide-moi, monsieur! » Après 40 minutes, imagine la fille, elle fout l'inquiète pour lui, elle est comme « Hey, je suis un peu laide, mais j'en fais une date. » Elle la ramène, là, le gars, il ressort tout de suite, il dit « Ok, ouais, excuse, dans le fond, c'est juste que t'es très laide, là. » C'est ça. Décolisse. Ah, c'est lourd. Tu veux ramener chez nous? C'est très... J'aime qu'il marche vers la porte, puis à chaque deux pas, il se retourne pour voir si elle est partie. Elle est encore là, genre... courage! Une palante, ça va bien aller! Appelle-moi me donner des nouvelles! Asti, je crois qu'elle me croyait plus ou moins et voulait juste voir à quel point j'étais mytho. Je l'adore, cette femme-là. Je suis donc entrée dans les lieux, puisque les mesures sanitaires ne permettaient pas encore l'entrée pour les visiteurs. J'ai dû faire semblant de parler avec la sécurité de l'hôpital le temps que la fille reparte. La sécurité m'a finalement indiqué de sortir. Qu'est-ce que tu dis à la sécurité? Parle-moi! Je t'entends aussi longtemps que ce chat-là est là! Parle-moi! C'était Thomas, dans le fond, qui est venu s'informer ses épidurales, c'est ça. Fait que dans le fond... J'aimerais ça voir Gwen Stefani comment y prendre. Pique, je m'en gâlisse. De tout ce qu'ils ont géré les hôpitaux, les antivax, le monde qui crève, Guillaume le métier vierge qui fait ses recherches, puis il y a le monde qui a des dates qui font « Ouais, je peux pas dire à une fille que j'ai pas envie d'être en couple avec elle. » La sécurité m'a finalement indiqué de partir puisque je n'étais pas autorisée à demeurer à l'intérieur. En sortant, la date était toujours là. Génial. Ah...
Lorsque je suis arrivée pour rentrer dans sa voiture, je me suis dit, rendu là, je vais au moins lui demander un lift jusque chez moi. Meilleur gars! Elle a juste appuyé sur l'accélérateur de la voiture. Je suis finalement repartie chez moi en Uber. OK, elle a juste fait genre... Ah, a crissé son camp. Elle s'est fait mentir. En arrivant chez moi, elle m'avait écrit sur Messenger, « Est-ce que t'étais vraiment sérieux ou je suis si pire que ça? » Oh, non! Ah, ben là, je l'aime, la lettre, là. Oh, pauvre elle. J'ai juste delete block sans répondre. Oh, bref, non! Tout ça aurait pu être facilement évitable si j'avais juste été honnête dès le départ. Je me sens encore très niaiseux. Et depuis, je me fais sodomiser au bar Le Studs à Sainte-Catherine, à Montréal. Malade! Je l'ai vu, il est gay. Il était au date hier! C'est ça! Mais c'est quoi? Là, il veut des conseils? Oh non, non, non! Parce que moi, c'est un conseil. C'est du king shame. OK. Ils parlent de leur king, puis on les humilie. C'est le seul conseil. Je dirais que c'est une calisse de vidange. Pas mal tout, non, là, je vais... C'est tout un acteur d'impro. Ouais, mais... Calisse. Pour ça, ils se méritent. Les deux, je les aime. Il y en a un qui ment, l'autre aussi. C'est génial. Mais elle ment pas, l'autre. Tout ce qu'elle fait, c'est gagner durement son argent à laver. Elle a mis des trop belles photos. Elle savait que le gars niaisait, puis il s'est dit jusqu'où il va mentir. Ouais. Mais jusqu'à la sécurité. Imagine, dans le char, c'est la toune « Mentir pour Chris, sans reflet dans le miroir. » Il se met à vomir. C'est vrai que Marie-Mé, c'était mieux quand Fred était là. OK, ça? Vous en avez un char, une barge, le monde n'a aucune aucune. Est-ce que tu veux la lire? Là. Ah, Chris, que oui. Attends, juste voir. Je suis la toute première drag queen à savoir lire en passant. Oui, je suis nul. Hein? Prenait un risque quand t'as le demandant, mais bon. J'ai été à l'école, OK? Pas longtemps. Là, Attends, je suis pas sûr que c'est ça. Mais bref, ça va être drôle. Mais pourquoi tu te lèves, là? Je peux juste y donner de même. Oui, mais j'aime ça bouger. Il y a pas... Mais ça fait une heure qu'on est assis, là. Je vois pas shaker, là. Le gars, il est un peu hyperactif, là. Il faut faire des affaires. Tabarnak! Non, elle est plus courte que ça, Calis. Oui, Tiana Gabaldon, c'est Calis. C'est quoi cette affaire-là? C'est ses mémoires, tabarnak. Le fantasme! Ses dernières volontés. Ah, c'est celle-là, c'est celle-là. OK, bon. Bon. On ben là, je peux faire le trois pages, là. C'est pas grave, je l'ai lu, là. Parfait. OK, il y en a deux, c'est le même gars, ça? Hey, c'est ton histoire. Ah non, c'est une fille. OK, il y en a deux. Elle doit être lesbienne parce que c'est là. OK. La psychopathe. Je suis une agente correctionnelle lesbienne. Ah ben, collé. Debbie Lynch White, c'est elle qui a dit ça. La grosse PL. Ah ouais, parle-nous de Bumba. Excusez, c'est pas correct. C'est pas correct. Ils vont vous faire fermer votre podcast. Okay. Ben oui. Je suis une agente correctionnelle. Qui travaille avec des criminels depuis plusieurs années. Ça me... Tu sais, pourquoi tu le spécifies, des criminels? Ben, c'est un peu ça, je hein? Travaille pas dans la section fruits et légumes. Ben, il y a des criminels qui sont légumes, hein, mais regarde. OK, on dirait que ça a tapé dans l'œil de ma date parce qu'il me posait beaucoup trop de questions sur mon métier. Pas lesbienne, finalement. C'est un homme qui a date. OK. Un homme qui aime ça se faire varloper, certains, là, mais... OK, on dirait que ça a tapé dans l'œil de ma tête parce qu'il me posait beaucoup trop de questions sur mon métier. Je suis habitué que ça pique la curiosité des gens, alors je n'en ai pas fait qu'au début. On s'était parlé au téléphone à quelques reprises avant d'aller luncher. Rendu sur place, on jase, mais l'ambiance est encore froide. Trop de pectoraux, ma fille, c'est ça qui se passe. T'as une shape d'armoire à glace. Quand vient le temps de partir, il s'approche de moi et met ses deux mains autour de mon cou en me disant « Mettons qu'on est à ta job et que je veux t'étrangler, tu ferais quoi? » Wow! Au resto! Oui! Il y a pogne par le cou! Malade! Au Miami, un lendemain! Oui! Voilà qu'il y a des dragues qui sont sous! Devant l'aquarium de poissons tropicaux! Qu'est-ce que tu fais? OK. Mettons qu'on est à ta job et je veux t'étrangler, tu fais quoi? En ayant les mains autour du cou, j'ai pris délicatement ses mains et les ai retirées, tout en lui précisant qu'il était chanceux parce que normalement, il y aurait eu deux frappes de diversion simultanées. Un genou d'un bijou de famille et ma pompe de main sur son nez pour le casser. On s'est pas revus et c'est peut-être mieux comme ça, trois petits points. Ah. Wow! Je sais pas, tabarnak, t'es en train de digérer ton ossobuco puis l'autre colon qui te met deux mains sur la gorge. Voyons, mais non. Surtout mais non. Que ça a dû faire mal parce que je pense qu'elle a une pomme d'Adam, elle. Ah, j'en ai une aussi. J'en ai une pareille. La diva. T'en as une autre? Je vais aller. Non, mais celle-là, tu vas... Je suis capable de lire. Celle-là, okay. Si on est dans le même registre que... Je fais-tu la dernière date de... Je vais faire ça vite. Après, OK, vas-y. Après. OK, expérience dating. Bonjour, je m'appelle Étienne, entre parenthèses, pas mon vrai nom.
OK. Pas obligé de le dire, calice. Ah, il y a un nom de plume pour nous écrire. C'est super. C'est bon. Et je vais vous rencontrer... rencontrer... Voyons, rencontrer... Ça n'a pas de secondaire. Finalement, Mona non, va hein. la lire. Merci, Rino. Oh, oui, après ça, vous venez d'apprendre un secret, un autre talent secret de Steph. Corriger les fautes de français pendant qu'elle lit. Parce que beaucoup, des fois, il y a beaucoup de fautes, puis Steph... Ben oui, c'est clair. Ouais, ouais, moi, ça bon, une ancienne fautes. Relation que j'ai vécue avec une meilleure amie, pas mal cochonne, haha. Hey, pour vrai, là, c'est lourd cochon. En tabarnak, là, dès juste la première phrase. C'est... J'avais 16 ans à ce moment-là, et elle, 15. Super! Pas mal cochon sur une petite fille de 15 ans. C'était ben, oui. le genre... Oh, pelaille! Oui, je m'excuse. Sérieux, c'est aussi bien écrit qu'une toune de cire pathétique. Ça n'a pas de sens, tabarnak. Ah, wow! T'aimes un bad boy, baby! Bon, c'était le genre de meilleur ami qui s'habillait toujours sexy, qui a toujours voulu coucher avec moi, elle mais moi, je voulais être en couple avec elle et donc, non, je ne voulais pas lui donner ce qu'elle pour pas perdre son attends amitié. Attends un peu, donnez-y une virgule, je vous jure. Non, il n'y en a pas! Il n'y en a pas mis de petite virgule. Je vous lis mot pour mot qu'est-ce qu'il y a dans la phrase. La dernière fois que j'ai fait une psychose, j'entendais ta voix de cendrier sur l'hélium de même, parler drette de même. On va prendre un respect pour la prochaine phrase. Il a pas l'air d'avoir plus de virgules. Calisse. Elle avait des méchants gros seins qu'elle s'amusait à me montrer pour me donner envie. Envie avec un S. C'est ça. S'amusait toujours à descendre mon pantalon pour m'exciter, mais j'arrêtais toujours avant la pénétration pour pas la voir partir après tout ça. Et la plus revoir. On suit jusqu'à maintenant la gang? Non! Je vous lis mot pour mot, là. Les dyslexiques aussi ont le droit de faire l'amour, OK? Il y a des limites à être dyslexique puis incompétent, hey, là. OK, même qu'une fois. Oh, c'est bon. On était sur mon balcon et elle s'est carrément mis tout nu et a commencé à me faire un striptease pour m'allumer, mais j'ai jamais cédé. Un guir foulé. Mettons, là, j'ai de l'honneur! Pogne ta fille à 15 ans à faire un striptease flambette sur un balcon en public. Qu'est-ce que mais tu fais? Mais oui, mais calé, c'est à sûr un que... Un gars qui sait pas écrire! C'est plus ça qui te bug, toi. D'être pas un illettré, ma fée-fille. C'est sûr que sur le boulevard métropolitain ou ça a René Lévesque, c'est pas excitant de se mettre tout nu sur un balcon. Là, tout le monde te... Ouais. Hey, moi, je me faisais piner comme du monde dans mon char 154 des fois, ça, quand ça nous tentait. C'est criminel, là, ça. C'est excitant? Ouais, mais ben, c'était ouais. T'avais-tu un char spacieux ou c'était genre non, un non, c'était hatchback, là. C'était ça. l'enfer. Oh, wow. J'imagine. Avoir okay. mal, là. On okay. continue. Elle, un jour, elle me présente sa meilleure amie, Mélanie. La conne. La petite conne. Et on a fini par dormir les trois dedans le même lit le soir même de la présentation. Dedans le même lit. Ça va en tabarnak, là. Dedans le même lit. Attends. Entre parenthèses, le rêve de n'importe quel jeune, je crois. Si bois des lettrés du calice. Mélanie était vraiment de mon goût, alors on a commencé à se toucher à côté de ma meilleure amie. Sideways. Ah oui, attendez, right? Excusez. Il spécifie que des fois, j'arrêtais et je me tournais de bord pour toucher et donner envie à ma meilleure amie pour faire, oh mon Dieu, un trip. T-R-E-A-P. À trois. Mais elle a pas voulu... Un trip! T-R-E-A-P à trois! Oh. Trois T-R-O-A accent circonflexe. Oh. Oui. Monte donc. Ce segment est commandité par la dictée PGL. Ouais, par le Becherel. Ah, lui, là, par la dictée PGL, il y a des Africains qui mouraient, genre. Ah, si, madame. I trip. Comment qu'on appelle ça, la dictée, dans le temps, là, que c'était un concours à travers les écoles? PGL? C'est ça, c'est PGL. PGL, okay, ça donne de l'argent aux enfants malades, mais... Oui. Donnez-y un chèque, calice. OK. Mais elle a pas voulu, alors j'ai fini par emmener Mélanie dans une autre chambre pour coucher avec, et j'ai sorti un an avec cette femme par la suite. Hey, cette femme, calice, à 16 ans! Ouais, ouais, mais c'est tonton elle peut même pas voter! C'est vrai, elle avait des gros seins. C'est ça, elle avait poussé. Ils sont à écrire. Oui. Écrire de même, c'est seul au Québec qui ont encore un tracksuit baby fat, tabarnak. Ben, il fait froid à Alma. Ouais, c'est ça.
quand même triste de savoir que ma meilleure amie a jamais couché avec moi après 4 ans d'amitié, mais que sa meilleure amie, après un soir, on est devenu inséparable pendant 1 an. Je souhaite... Oh mon Dieu, il y a un message pour les jeunes. Je souhaite que tous les jeunes vivent ce beau dilemme. Merci pour, beaucoup pour votre podcast et lâchez pas, vous êtes beaux. Hey. Sérieux? Wow. Non, mais attends, là. Oui, certainement attends. Plus beau que ton orthographe, mon tamarin. Hey, non, mais on va se le dire, le public d'Annie Brocoli, ça a mal vieilli en 9 minutes. Tabarnak! Hey! Mélanie m'a passé un aubergine. Hey, ils sont perdus dans Schlaga en estime, moi, vous dire, là. Moi, hey. Avez-vous remarqué que lui, il avait une meilleure amie, mais sa meilleure amie, elle avait une autre meilleure amie. Ouais. Donc, exact. Puis il a fourré la meilleure amie de sa meilleure amie. C'est... Ça... C'est... Déjà, c'est surprenant. Tout le concept de la meilleure amitié ébranlé pour moi ici. Ouais, ouais, c'est surprenant, Nasty, parce que moi, j'avais juste ça, des meilleures amies de filles, puis ben, à ce temps, je me tape le pénis pour de l'argent, là, fait que c'est surprenant qu'il y ait... Hey, moi, je vais être badass en Chris, faut que je pisse. OK, bye. C'est un crème, hein? on va gagner, on va... OK. Fait 3 fois, je l'ai fait tu sur ma chaise. Tu veux l'autre date qui est sur ta ouais. Alors, on retourne avec Debbie Lynch White. Parce que... On parle d'autre chose, puis ça, j'ai une date, la fun, que tu vas triper. OK, je suis fucking down. C'est celle qui dure des pages. Non, mais il parle vite, là. Tout va bien, là. Je suis fucking down. Non, il est fucking down. Je suis fucking down, man. Okay. Mais attends que Rainbow... Pendant ce temps-là, on va jaser d'autres choses. Ben, oui. C'est quoi les choses qui t'énervent le plus chez Rainbow? Non. Tabarnak. Non, elle n'est pas là. Hey, j'avais de quoi que... Quoi? Tu fais du stand-up. J'ai commencé, ouais. Oui, alors tu côtoies mes collègues. Oui. Ils sont désagréables, hein? Qu'est-ce que t'as eu le plus chez les humoristes? Qu'est-ce que j'ai le plus chez les humoristes? Ils sont, plutôt, sont comment, les humoristes? Pas tous, mais il y en a beaucoup des brisés. C'est moi qui est fort. Aussitôt que ça se met à faire trop d'argent, ce monde-là, là, t'amènes pas ça à Noël, tabarnak. C'est comme du suçage d'égo, là. Puis tu sais, des gens qui viennent te parler quand tu commences, ils s'attendent à ce que tu sois genre « Ah, oh, Chris, c'est nice, il me parle! » Alors que je m'en torche, là, mais... Wow! S'il te plaît! On s'en parlera en arrière, je nomme pas de nom. Non, pas de nom. Mais j'ai une liste. Mais pas la même liste que de t'es peu. Non, excuse-moi, c'est très glissant, les listes dans ce milieu-là. Non, mais ce qui me gosse, c'est ça. C'est les gens qui se prennent trop sérieux, même chez les dragues. J'étais comme, quand tu te prends au sérieux, tu sais, ceux qui bitch, qui font la diva, ben, qui se prennent pour une grande vedette, t'es un monsieur en robe. Fait que là, calice, un humoriste, même affaire, t'es en jeans, hostie, à dire des onneries d'un micro. Puis le monde aime ça en plus. Fait que, tu sais, relativise un peu, t'es pas un dieu. Mm-hmm. Mais sinon, la majorité, je les adore. Moi, je commence, puis genre, je scrape tout, hostie, j'envoie chier le monde. J'adore non, ça. Non, non, c'est pas vrai. La majorité sont super nice, mais il y a des gens qui c'est des cas psychiatriques. Il y a rien contre les cas psychiatriques, mais tu sais, ça se règle à grand coup de Valium, même année, là. Fait que. Ouais, ben, j'ai déjà dit ça à un collègue. J'ai déjà dit ça. Tu vas consulter? Ouais, non, tous tes problèmes, hein, y a des pilules pour ça. Puis il m'a dit, tu peux pas me dire ça, puis je viens de le dire. Ben oui. Mais tout se dit, hein? Puis les conséquences sont pas super. Ben oui. Ben oui. La conséquence que t'as, c'est une personne ennuyante te parle plus. C'est ça. C'est ça. Mais sinon, non, j'aime ça. Tu sais, là, je commence à faire des bars là, parce que, en fait, j'ai commencé au prochain stand-up. J'ai appris à faire du stand-up là. C'est un move d'épais, pareil, là. Non, au contraire, c'est un bon move. Oui, on s'apprend pas à faire du bicycle à pédale autour de France, là. C'est pas le Tour de France de l'humour non plus. Oui, je pense pas que l'émission le prochain stand-up. Je le sais. Mais c'est parce que t'apprends à faire du stand-up devant un Kodak, mettons que t'es poche, là. C'est sûr, oui, là, c'est oui. Une claque d'en face en esti. Finalement, je suis pas pire. Mais, c'est ça. Fait que là, je commence à faire des bars, mais c'est ça. Moi, j'arrive sur le tard parce qu'il faut que je me maquille, puis tout, je le fais en drague déjà. Fait que j'arrive toujours un peu chaud d'ail juste avant de jouer, puis je repars. Je prends pas le temps d'analyser puis de jaser trop, parce que ce monde-là me fait peur. Ben justement, tu fais ta petite affaire, puis ça fonctionne bien pour toi. Puis on verra comment ça se passe. Ouais. J'adore ça. Viendrez me voir, gros, yes. Merci. Bon. Ah ouais. Ça vous tente pas, c'est correct. De toute façon, je reviens plus jamais à Saint-Eustache. Là, on a une date du Saguenay, je pense que tu vas triper. Ah, du Saguenay. Salut les beaux. Excusez mon orthographe, j'ai sniffé un peu de gaz. Non. Hey, c'est cousin de l'autre. Yes. Non, mais il écrit bien. Salut les beaux, je viens tout juste de découvrir votre podcast et je suis tombé en amour avec vous littéralement. Bravo. Wow. Et vous êtes calissement beau à voir, pour vrai. Comment tu regardes ta blonde, là? Trouvez-vous un gars qui va vous regarder de même puis qui se brosse les dents de préférence. Mais j'ai l'anus propre. Oui. Oh, une scène qui fait rêver, Thomas Levac. Vous êtes toujours pertinent, désopilant et attentionné envers vos invités, c'est vrai. Votre On n'est pas toujours pertinent.
Oui. Toujours? Le poturier qu'au gérant, c'est très pertinent. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Ben moi, je trouve ça pertinent, c'est important. C'est important de parler de régularité. Ben, tu n'invites pas chez vous, on le sait, à cette heure. Passe mon temps à la vis-bolle-là. Votre segment des histoires de date me fait rire à chaque coup, tellement que j'ai décidé de vous partager ma propre histoire de date. C'est tout un sujet amené, hein? Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'il y a trois pages. Bons mots, ouais. C'est un essai. Mon histoire de date, c'est son épreuve uniforme de français, dans le fond. C'est sa thèse. Mon histoire de date commence sur Saguenay Web. Yeah! Tabarnak! C'est quoi ça, Saguenay Web? Ils ont-tu leur propre Google, genre? Ils ont leur propre Internet! Ça n'a pas de sens. Saguenay Web, ça, c'est la survie du site Do You Look Good, les chums, là. C'est vraiment... Saguenay Web. OK, pour ceux qui ne le savent pas, merci, Calis. Oui, pour tout le monde. Au lieu de chialer, je vais continuer à lire. Pour ceux qui ne le savent pas, Saguenay Web était la plus grosse plateforme de dating au Saguenay-Lac-Saint-Jean à une certaine époque. Wow! J'y ai rencontré... Je sais pas, mon amour. Saguenay wow. Web, ça parle pas... Tu sais, j'ai pas... Mais Rainbow, peut-être que ça fonctionnerait sur Saguenay Web. Ah! Je vais lâcher Grindr, m'en mettre la sonne ici, ouais. Les gens, mais là, là. J'y ai rencontré une fille qui venait de la Mauricie. Donc, on peut tous aller sur Saguenay Web. Hey, faites-vous toutes des faux comptes, ça va être malade. Oh, on va ouais. Les mêler, les gars. Oh, ouais. On hijack Saguenay Web. Moi, je me pars un compte, je vais être Wyclef Jean sur Saguenay Web. Ils vont rien comprendre, esti. Excusez. Bon, OK, faut que j'arrête de couper. J'ai rencontré une fille qui venait de la Mauricie, mais qui s'était établie à Chicoutimi. Tout s'explique. Les trois mots après que je niaise, ça va durer deux mots plus tard. Elle a découvert la place du royaume puis elle est tombée en amour. Un peu. Elle n'est pas plus folle qu'un autre. Elle s'est établie à Chicoutimi pour faire un DEP en coiffure. Wow! J'aime le gars qui est juste parti à rire! Les coupes de madame, là, mauve, là, court, là. Non, pas mauve, court. Gris avec une mèche mauve, c'est ça, là. Ouais. Oui. On est vite devenu ce que j'appelle dans des amis modernes, OK, si vous voyez ce que je veux dire. On le voit très bien. Elle vivait dans un 1,5 en plein cœur du centre-ville de Chicoutimi. Mange du poison. Sérieux, là? Déjà, t'es à Chicoutimi, c'est beau, c'est bucolique, mais 1,5 à Chicoutimi, c'est sûr qu'il y a un ancrage assez solide sur ton plafond. Ça coûte combien un et demi à Chicoutimi? Je le sais pas. 16 $. Ben, tu vois, ce détail sera important plus tard, mais je ne veux rien divulgâcher pour l'instant. Dès le début de notre relation moderne, j'avais mis au clair que moi, je ne cherchais que d'avoir du bon temps sans attache. Elle a dit que c'était pareil pour elle aussi. C'est jamais pareil pour elle aussi. Mais non. Un jour... T'sais, au début, Steph, elle voulait juste avoir du fun. Puis elle fait un podcast. C'est vrai? Oui. Là, j'ai plus de fun. Là, t'as du pas de la grosser. Tain, alors, un bébé veut un câlisse de podcast. Au début de notre relation, c'était juste pour... Non, nous, on est tombés en amour super vite. Cute. Ouais, on s'est dit, je t'aime. Avant de se rencontrer. Sur Messenger. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Sur Messenger, avant de se rencontrer. Je t'aime sur Messenger? Oui, oui. Des fous. Ouais, ça, c'est ce que j'appelle un couple moderne. Moi, je dis, les humoristes sont brisés, là. Mais ouais. Les agentes, c'est pire. T'sais, Luke Wiseman. Oh, ben oui. C'est à lui de pas être commis. Bon. Tu penses qu'il disait « je t'aime » Oui, c'est ça le problème. On s'est perdu. T'es devenu à chaque. Tu sais, quand papa et maman chicanent, toi, t'es dans, tu manges ton craft dinner demain, t'es comme, qu'est-ce que je fais, là? Je suis mal à l'aise. Ouais, okay. On dirait chicaner en anglais comme les parents, des fois, ils font. So, Luke Wiseman, did he say Luke, I love you? Luke Wiseman. Okay. Est bilingue. Un jour, elle organise un party d'appartement chez elle. Où elle est 1,5. Tabardin. Où elle invite ses amies coiffeuses. Oh, wow. Et pour une raison que je me rappelle plus, j'y étais aussi. Tout ce que je me souviens, c'est qu'étant donné que j'habitais Jonquière, qui est située à 10 minutes en voiture de Chicoutimi, que le plan de la soirée était que je fasse la fiesta et que je termine la soirée avec mon amie moderne, je devais dormir chez elle. Mm. Très longue phrase. Retournons à la soirée. OK. Disons que le cliché des quatre femmes pour un homme au Saguenay était véridique ce soir-là. Je comprends pas. Ben, il est allé dans un party de coiffeuse. Mais quatre femmes pour un homme. Ah, il y a trop de femmes au Saguenay? Ouais, ouais. Yes, les filles, là, je sais pas. C'est plus les gars, c'est le fun. C'est pour ça qu'il couche avec le cousin, dans le fond, manque de gars, là. Non, c'était facile, je le sais. Pendant la fête, je remarque une femme qui est à mes yeux hors de ma ligue. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais une grande échalote avec une estime de moi-même quand même assez basse, qui utilisait l'humour pour cacher sa gêne et qui se faisait constamment mettre à l'écart par
la gente féminine quand je leur dévoilais mes sentiments parce que j'étais, selon elle, leur ami gay pas gay. Same! Same! Il est pas gay, il aime le théâtre. Ah, ouais, c'est le genre de femme qu'on verrait d'une boîte là, vide là, d'un centre d'achat avec Jean-Héroldi, est-ce qu'il est comme jugé là, là à quel âge? Ouais. Pauvre elle. Cette femme, la fille hors de sa ligue, au contraire de moi, était ultra confiante d'elle-même, cynique dans ses propos, consciente de son pouvoir d'attraction et très à l'aise avec le charisme qu'elle dégageait. Mais c'est sûr que s'il dit ça à des dates, t'as pas envie de sucer ça. Non, non. T'as envie de lire son livre, là. Mais... T'es très consciente de ton pouvoir d'attraction. C'est Mathieu Bock-Côté. C'est Mathieu Bock-Côté, il parle trop. Il y a des coiffeuses! C'est sûr. C'est il aime sûr. Ça au Québec. Ouais. Il n'est pas sur Google, il est sur Saguenay Web. Ouais. C'est au Saguenay Québec, aussi, on va des si j'avais la shape de me battre, là. Mathieu Bock, non, okay, c'est pas vrai. Les menaces sur Internet. Bref, la soirée va bon train. L'alcool coule à flot, j'essaie d'utiliser l'humour pour me faire accepter du groupe et tout va relativement assez bien. Puis, les femmes partent une à une au fil de la soirée. Vers la fin, nous n'étions plus que trois. Mon ami moderne, la femme que je désire et moi. Oh! On décide d'aller terminer la soirée au bar à côté de chez elle pour profiter du last call. J'abuse de l'alcool... Mon Dieu, j'ai fait un... J'abuse de l'alcool! Fait un OCV. J'abuse de l'alcool un petit peu. Non, en fait, un gros peu. Il y a une énorme tension sexuelle entre la femme hors de ma ligue et moi. Mmh. Le bar ferme et on décide de retourner chez mon ami moderne parce qu'on veut continuer cette soirée de plus belle. En arrivant dans l'appartement de mon ami moderne, là, si ami, ami moderne une autre fois, je vous jure, je me fais violence. Complètement. Tu vas ça à... Qu'est-ce que tu y ferais? À qui? Non, pas à elle, à moi, je me ferais violent. Je suis tanné de dire ami moderne. Tu l'amènerais au resto, tu mettrais tes mains autour de son cou. Qu'est-ce que tu vas faire? OK. En arrivant dans l'appartement de ma crise d'amis moderne, complètement ivre, je dis à voix haute, sans assumer mes propos, « Hey, les filles, avouez que je suis irrésistible. » Wesh. Wesh. Mais là, c'est votre nouveau fan de podcast, fait qu'on va le... Non, t'es... Ça, oui, ça, on est ça ne fonctionne pas, ça. Avouez que je suis irrésistible, ça ouvre juste la porte à un non. Oui. Mais on l'a vu, jusqu'à date, toutes les choses que tu dis qui vont pas se produire, se produisent. Ouais, ouais. Il va sûrement coucher avec deux filles. La femme que je désire dit oui et me saute dessus. Bon. Ben, calice! Ben voilà, ça marche finalement. Nostralevac. Nostralevac! Alors, elle me saute dessus. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Mon ami moderne n'a pas le choix. Elle veut faire l'amour avec toi. Ben ouais. Mon ami moderne n'a pas le choix de suivre parce que c'était son plan initial et elle, finir la soirée avec moi. Oh, commence le trip à trois le plus bizarre de ma vie. Ah, ça, j'aime ça. Nous sommes trois dans un lit simple qui est situé devant la table de la cuisine sur laquelle il y a un ordinateur portable dans un 1,5 miteux du centre-ville de Chicoutimi, complètement défoncé. Le trip à trois va bon train. Pourquoi il n'y a pas ça dans la section porno? Parce que ça arrive bien plus souvent. Downtown Chicout. Oui! Hairdresser, bitches, hey, Chicout, downtown. Pégase, travaille là-dessus. Fais ça, Pégase. Prends des notes, puis fais ça. Ça serait malade. Ouais. Je l'écouterais. Ouais. Ah ouais. La seule porn straight que t'écoutes. Ah, je vais payer la location. Let's go. Bon. Est-ce que vous aimez la porn straight? C'est une fois. Non, mais une fois de temps en temps, ça change le goût. Pour faire de l'anthropologie, oui. Tu sais, comprendre comment ça marche, des études de société. Mais non, tu sais, jeune, j'ai fait vite le switch de porn. Je regardais juste les battes là-dedans. Fait que j'ai dit, quoi, pas deux battes le prix d'un, hein? Le trip à trois va bon train. Mais je remarque que je connecte beaucoup plus avec la femme que je désire que mon amie moderne à qui est, je rappelle, l'appartement et avec qui je suis supposé dormir cette nuit-là. Mm. Mon amie moderne, sans qu'elle ait trop, elle décide de quitter le trip à trois et d'aller s'installer sur son ordinateur qui est, je rappelle, devant le lit 5. Mais oui, ben voyons! Elle joue à mini-clip pendant que l'autre... Ah, c'est triste! Ah. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, sinon, elle cherche sa cousine sur Saguenay Web. Ah ouais, câlisse. Saguenay Web. Je vous jure, je vais là-dessus tantôt. Saguenay, on va te commanditer nous. On va se trouver un beau. Ah ouais, pour vrai, Saguenay Web. Des t-shirts, on va le porter. Ah ouais, qu'est-ce que c'est bon. Toujours complètement ivre, je continue le trip avec la femme que je désire chez mon ami moderne qui est forcé de regarder nos ébats sous la chanson Give Me More de Britney Spears. Il est peut-être homo, là. Il est super gay. Il est super gay. Gimme, gimme more. Ah, mon Dieu. Moi, je suis tellement hétéro, j'ai déjà baisé sur du System of a Down. Ah, quoi? C'est genre la définition de mon pire cauchemar. Malade.
C'était Toxicity. Comme... Puis la... Ouais. Il n'y a rien mieux que... Mais genre, c'est parce que la playlist, ça s'est mis à... Non, non, c'était à l'époque, il y avait des albums. Ah! Là, volontairement. Oh, ouais, j'ai mis ça. Et il n'y a rien mieux que manger des seins sur la toune Prison Song, où tu manges des seins, oui. Puis il y a un gars qui t'explique le système carcéral américain. Ah, malade! Regarde, regarde, regarde! 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 Ah ouais. Il y a droit sur « Let the bodies hit the floor ». Hey, moi, je dis qu'on rappe ça là, le podcast. Bye! Dernière image du monde. T'as un peu, il reste deux chapitres, là. Ah. Alors, le gars dans le garde-robe fourre la chick sur « Give me more » de Britney Spears. Je le rappelle pendant que l'autre coiffeuse apprend ses emails, OK? Elle ramasse les miettes de sauce à côté de l'ordi. Ah ouais. Je voulais revoir cette femme-là à tout prix. OK. Nous étions beaucoup trop compatibles sexuellement, elle et moi. Le hic, j'ignorais son nom, mais je me souvenais qu'elle m'avait dit qu'elle était sur Saguenay Web, elle aussi. Ah, tant que ça reste dans la famille, tout le monde. Pendant le... Pendant qu'on essayait tant bien que mal d'avoir un rapport sexuel, je lui chuchotais à l'oreille de me rajouter sur Saguenay Web et je lui baragouinais mon pseudonyme afin qu'elle puisse me trouver. Dirty Bottom 69. It's Britney, bitch! It's Britney, bitch. Oh, j'haïs le monde, j'haïs le monde. C'est son nickname et c'est... Il donne son nickname... Super gay, 69. Ouais, pendant... pendant... Gay? Non, 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 je suis pas gay. Sideways 69. Ah, wow! Vous avez appris quoi? Vous allez l'utiliser en crise, j'ai l'impression. Ah oui, c'est le mon mot du jour. Est-ce que dans les mots croisés, c'est pratique ou... Je sais pas. Dans le fugue, sûrement. Là, c'est... Les mots croisés du fugue, mais faut faire ça. Ah, mon... Bon, afin qu'elle puisse me trouver. Fait que, puis alors que je lui faisais un cunnilingus, j'y ai soufflé mon nom dans la tête. Je me suis littéralement endormi dans son intimité. Oh. Mais il est gay, mais là, c'est ça. Là, ça lui rappelait son lido, il a dit, c'est le temps que j'aille me coucher. Hey, l'expression, la pelote à terre, esti. J'adore. OK, il dort, là. Parce que mon amie moderne qui voit ça dit à son amie de quitter, qu'elle est fatiguée et qu'elle aimerait bien prendre le restant de sa nuit pour dormir. La femme que je désirais est partie. Tout ça pendant qu'il dort dans la fourche. Wow! Comment tu t'enlèves ta chatte d'une face dedans? Je le sais pas, j'en comment ai pas de ça. T'oses? Mon amour, comment tu ferais? Imagine, là. Tu sers les cuisses bien vite. Là, là. Faut que tu t'en ailles. Je te pousserais. Fais-en je te prendrais par les cheveux. Je peux pas. Lesquels? Fais-en cock slap. Bang! Aïe, aïe. Non, mais tu sers les cuisses. J'ai pas de pénis. Hein? Ça, c'est C'est scandaleux, mais ça, ouais. Qu'on lisse. Fais un effort. Non. Elle a accouché de l'URS. C'est pour ça qu'elle a halluciné Gwen Stéphanie, là. Bon, étant trop intoxiqué pour prendre le volant et retourner chez moi, première fois qu'on entend ça de la part du Saguenay. Soyez honnête, ça serait rentré en quatre roues, hostie, puis ça aurait pogné une plonge dans le bois. Mon amie moderne n'avait pas d'autre choix que de me laisser dormir chez elle dans son lit simple. Le lendemain, l'ambiance était, disons, d'une froideur sans précédent. J'ai quitté avec la gueule de bois et je suis retourné chez moi, repensant à la femme que je désirais et dont j'ignorais le nom parce que j'étais trop sous la veille pour m'en rappeler. Je me suis dit qu'une femme comme ça, je n'en reverrais plus jamais, qu'elle m'avait fait une fleur en me laissant avoir une relation sexuelle avec elle. Il est homo, il est homo. C'est très gay, ça. Tu m'as fait une fleur en me laissant dormir. Ta oui, c'est une belle fleur, mais quand je te mange, je m'endors, je sais pas, là. Quand tu digères, maintenant, tu t'endors. Puis... Une semaine et demie plus tard, qu'est-ce que t'as dit? Non, le jeu de mots que t'as fait, on dirait une toune de l'Orange Albert, j'adore ça. C'est malade. La première fois qu'on me compare à l'Orange Albert, je suis tellement content. Faut faire plus de podcasts avec des homos, c'est extraordinaire. Compare à l'Orange Albert. Et ma seule envie ce soir, c'est qu'un homo s'endorme dans ma ploune. Qui est-ce qui m'a jeté un sort? Sur Saguenay Web, j'ai le goût d'être mort. OK. Alors, merci. J'ai goût d'une plaque. Dit. Parle donc dans ton micro, galiste, c'est à ça qui sert. Je bon. Assume pas ce que je dis. Je parle dans le dildo, mais jamais dans le micro. OK. Puis, une semaine et demie plus tard, je crois, je retourne voir ma boîte de réception sur Saguenay Web. Et qui m'avait retrouvé? Oh. Cette dame. La femme que je désirais. Elle s'est excusée d'avoir mis autant de temps à entrer en contact avec moi. Attends, car elle a moi essayé... si... Hey, si une femme me suspecte, maintenant, t'existes pas, OK?
Puis une femme me suce puis elle s'endort, j'y écris pas sur Saguenay Web. Là. Ouais. Il envoie pas email. Hey, la fille qui s'endort, elle me suçant. Mais surtout, si elle s'endort sur ton pénis, elle meurt étouffée. Là. Faut que tu fasses de quoi? T'as genre 15 secondes pour agir, Thomas. Ça, elle, c'est faut que t'apprennes par les cheveux puis tu l'enlèves de là. Sauf c'est pire. Tu vas venir comme le gars sur le... Emballé. Emballé. Oh mon Dieu. Le gars de CSI qui font... Ouais, ben, c'était 1+1. C'est assez clair ce qui s'est passé. Le monsieur, c'est une bottom refoulée. Bon, elle s'est excusée d'avoir attendu. Cette femme est morte en suçant Thomas Levac. C'est ça. Wow! Ah, mais j'aurais un T-shirt. J'ai tué une femme avec mon ministre. Sur monde de stars. quand je rencontre le monde, je suis plus à l'anecdote de Hugo Gérard. C'est, il y a une femme qui est morte en suçant. Penses-tu que ça donnerait le goût de me sucer? Non. Ben, il y en a qui trippent sur Luca Rocco encore. On sait jamais, là, mais... C'est pas les plus Luca Rocco. Ah, mon Dieu, j'ai oui, le tueur. C'est un groupe, là. Est-ce qu'ils finissent ensemble? Est-ce qu'ils finissent ensemble? C'est un duo. Comment? Est-ce qu'ils finissent ensemble? Non, ben là, c'est ça. Elle s'est excusée d'avoir pris autant de temps à rentrer en contact avec moi, car elle a essayé toutes les déclinaisons possibles de mon pseudonyme pour me trouver, parce que ce dernier pouvait s'écrire de mille et une façons. Oh, calice. Nous sommes restés ensemble pendant presque Trip un an. T-R-E-A-P. Calice. Alors, conclusion, nous sommes restés ensemble pendant presque un an. Voilà, j'espère que mon histoire vous a plu. Et sachez que si vous avez aimé, j'ai aussi des histoires de dates louches avec des hommes que je pourrais raconter! Hey. I called it! Ah ouais, Mathieu, écris-nous! Oh, wow! Ben là, je suis soudainement bandé dans mes bas-culottes. Wow, un gay qui a la chance de dire « je me suis déjà endormi d'une noune, là ». Sur du Britney Spears! Sur du Britney Spears! Ah. Il faut qu'on le retrouve. Vous avez le nom, hein? Vous avez le email du gars. Vous allez me le donner, par là. Hey, incroyable! Il faut retrouver ça, là. Eh oui! Hey, bravo! Il y a un petit bonhomme clin d'œil. Après, il est comme saucy un peu, là. J'adore. Est-ce que vous aimez faire de l'amour sur de la musique? Ben oui! Oui, c'est le fun! Ah! Il est là! Tabarnak, ça a pas de sens. Je vais aller donner un bec. Hey, mon beau bébé, bravo. Mon Dieu. T'es fatigué, veux-tu dormir un peu? C'est toi? C'est malade. Ben oui, t'as plein d'objets sexuels. Ben oui, t'as des condoms. Voyons, ah, mon Dieu, ça a pas de sens. Tu peux manger chez Steph et t'endormir si tu veux. Ah ouais. Voyons donc. Hey, je t'embrasse. Est-ce que tu veux dire ton nom ou non? Ben non. Non. Ah, t'es extraordinaire. C'était-tu Dirty Bottom 69, ton pseudonyme, finalement? Ah oui. Non? Est-ce que tu veux dire ton pseudonyme? Je l'utilise encore des fois. OK. Hey, sérieux, t'as toute mon admiration. Toi? En plus des coiffeuses, sacrément. Toi? Des coiffeuses. Qui est aussi un peu gay, trippé sur tes coiffeuses. Hey, je m'excuse de t'avoir... traîner dans le bout. Ah! Oh, pour mettre de quoi à jour, je suis pas gay, je suis pansexuel. Ah, je comprends. I love it! Excuse-moi. C'est parfait. C'est extraordinaire. I love it. Oh. Bravo! C'est le meilleur moment de notre podcast. C'est grâce à toi. On l'applaudit, hein! Hey, gang! Merci beaucoup! Hey, incroyable! Bravo! Hey, pis toi, est-ce que ça prend des gosses pour dire « C'est ma date » et venir sa scène? Tabarnak! Oh! T'as toute mon admiration. Bravo. Oh! Ben, je pense qu'on faut quitter là-dessus. C'est hey, trop je bon. L'adore. Si ce gars-là part une... chandail de Jonquière! Hey, Chris, si toi, tu pars une sec demain, je te suis en estime. Oh, là. Ouais! T'es mon gourou, là. Oh, hey, t'as ma fille. Fais ce que t'as à faire. Oh, avant même d'aller. Je peux pas. OK. Oh. Comment topper ça? On va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Ouais. Hey. Gang, on vous suit. Attends, mais on veut juste plugger vos affaires. Votre podcast Entre deux lèvres. Oui, Entre deux lèvres. On est maintenant live au Cabaret Mado à tous les deux semaines, le lundi soir. Attends, à 8h. Nous, on s'engage. Oui. Si on vient à votre show, avec André King, je vais être André King. Yes! Oui!
Ah, là, je suis content. Hey, oui, vous viendrez nous voir les lundis au Cabaret Mado à 8 h. Hey, cette semaine, on reçoit, on est bien énervé, on reçoit Samy Landry. Tu sais, le gars de TikTok qui fait des vidéos. T'as-tu une cigarette? La drague acadienne, là. La drague acadienne, on la reçoit demain, génial. On est bien bandé. Fait que YouTube, Instagram, en deux lèvres. Oui. Instagram. Rainbow.drag. Mona de Grenoble, là, en un mot. Lui. Merci. Puis à la Jonquière. Juste. Ouais. Allez-y, c'est le fun. Hey, mais pas vrai, si on se fait inviter pour aller à la Jonquière, Chris, on y va. Ben oui. Live. Ah, oh, il va avec vous autres. Non, oui, non, non. Ouais, ouais, nous aussi, on veut faire des parties de coiffeuses, là. D'un et demi. Je vais amener mon CD de System of a Down. Ah, puis merci, vous avez été un public incroyable. Merci à vous autres. Incroyable. Au centre d'art, la petite église de Saint-Eustache pour l'accueil. Fuck l'Église catholique! Ouais! Fuck l'Église catholique! On finit merci tout le monde! Merci, bonne soirée!